Salut à tous et bienvenue au 42e épisode de Jacques à cassette, le Jacques à cassette, une présentation de RetroGamer.ca. Je me présente moi-même à l'animation, Michael Baroque-Larouche. À soir, je suis accompagné de Johnny Gretzis. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Johnny, à soir? Ah, ça va bien, parce que, bonne nouvelle, les bars vont pouvoir rouvrir lundi prochain. Non, c'est cette semaine. Enfin. Non, les bars, oui. Les bars. À vendredi, c'est les terrasses. À Montréal, je pense. C'est ouvert cette semaine, là. Oui, mais je veux dire Montréal. Ouais, c'est ça. Arcade Montréal. Donc, ouais. Arcade Montréal. Ouais, Arcade Montréal. C'est là que tu t'en allais, là. Oui, exactement. J'ai hâte d'aller prendre une bière là-bas. Ça tombe bien. Tu sais, j'ai arrêté de prendre de l'alcool. Puis, quand les bars vont réouvrir, puis j'étais proche de mon bête. Fait quoi, 3 semaines, environ 2-3 semaines, j'ai commencé à prendre de l'alcool. Bang! Les bars ouvrent. Et voilà. C'était moi la solution. Psst. Right. Ouais, c'est ça. Pensez comme un complotiste. Oh, ben, pis c'est vrai, on est mort ici. La soirée. T'as envie d'aider Dan? Malheureusement. Oui, monsieur. Oui. Salut, Dan. Yep. Dan de Good, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Cette semaine, comme ben des affaires qui se passent, pis on fait juste aujourd'hui, pis il y a Retro Nouveau qui a réussi en même temps que nous autres, fait qu'on est comme. Ouais, malheureusement, c'est ça. On est en même temps que Retro Nouveau, mais que voulez-vous? Ben, c'est ça, c'est comme. Ré en réduction. Ben, c'est ça, comme cette semaine, tu sais, comme. Demain, il y a Loki qui sort sur Disney Plus. Ouais. Le jeudi, il y a Final Fantasy VII Remake qui sort sur PS5 avec le DLC Yuffie. Puis vendredi, il y a Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5 qui sort. Fait que là, comme moi, je suis comme booké, genre. T'es bien. Je suis bien en. Ah non, mais j'avais hâte d'en crise à cette semaine, mettons. Là. J'avais vraiment, vraiment hâte. Moi, j'avais pas hâte à cette semaine. Je recommence à travailler. Ouais. T'as mal choisi tes vacances. Fait que, accompagné de justement, lui qui s'est manifesté. Kevin Boily! Comment ça va, Kevin? Ça va, ça va. À part que tu recommences à travailler cette semaine. Ouais, mais ça va, ça va. Pas ma meilleure journée, mais ça va. Et honnêtement, les dernières semaines ont été remplies d'excellentes nouvelles. Ouais. C'est juste que les deux dernières journées moins, fait que ça se rebalance, mais c'est pas grave. Mais à part ça, ça va. Bon, on va y aller avec Nicolas. Salut! Moi, ça va bien! Ouais, ça a comme. Je sais pas si c'est juste de mon bord, ça a comme coupé non, au début. Coupé, ouais. Ouais. Oui. Ben, je t'ai parlé, je pense que t'as peut-être crié trop fort, puis ça a ouais, coupé. Ça, ah, peut-être. Ouais. Ah, ben! Moi, comme Johnny, j'ai recommencé à me toucher dans la douche, puis bang, les barres de danseuse ouvrent. Yes! Je savais! Fait que là, l'épisode d'aujourd'hui est explicitement marqué explicite. Pas le choix. Non, ça va bien. Comment qu'on fait le mature content? Comment qu'on fait déjà pour activer ça? On est déjà mature. Non, j'ai flag mature parce qu'on sacre. Fait que ça depuis le début. Ouais. Ben, make sense. C'est sur iTunes, je pense, qu'il l'affiche surtout là, dans l'application podcast de sur iOS. Ben, je parlais du stream Twitch. Le mature content, ah, Twitch, ouais, est activé. Moi, je sais que oui. C'est possible. Bref. Peut-être des options. On fait pas d'argent, ouais. Anyway. Donc, on va être avec le site dernier. Jérôme. Comment ça va, Jérôme, à soir? Non, ça va bien. Là. Fait chaud. Ah oui, c'est les personnes qui pour lesquelles qui écoutent dans le futur, présentement, c'est la canicule annuelle à Montréal. Ben, une qui va avoir durant l'été. Oui, il va y avoir même plus qu'une. C'est la première canicule. Non, ça prend un calcul, puis on pogne des 30, des 32. Fait qu'il fait encore. Il fait encore ça, 30-32, puis on est le soir. C'est sans l'humidité. Sans l'humidité, bien sûr. Et Celsius, hein, pour ceux qui écouteraient. Ceux qui sont encore avec un signe de température arriérée. Tu écoutes depuis 1733. Ouais, j'avais comme plus en tête les Américains, mais. Ouais. Pas mal les seuls qui utilisent encore vraiment. À part pour la cuisine, c'est comme ouais, c'est encore à faire en être, là. Mais, tu sais, les autres sont full on. L'autre piscine, à chaque fois, là... bizarrement. On est incapable de mesurer. Moi, je sais pas, une piscine, c'est à combien de degrés Celsius d'habitude. J'ai aucune idée. Non, ça fait en être.
Ben c'est ça, comme il y a, je sais que sur mes j'ai vu ça passer, il y a déjà eu une charte oui, de comment mesurer les trucs au Canada, genre. Parce que ça, ça au Canada, c'est, on est tellement hybride, genre. Comme, ah, les, on dit les grandeurs, genre en pouces, en pieds, en pouces, le poids en livres, c'est comme... Ah ouais. Mais bon, je sais pas mon poids en kilogramme. Je l'avais partagé ce diagramme-là pendant un stream à Jérémy, genre. Qui était bourré de français, genre. Puis tout le monde a trouvé ça génial comme. comme mais on est probablement pas mal à la dernière génération de comme, même. C'est nos diagrammes. Nos parents, eux, le système métrique est apparu dans les années 60-70, que ça a commencé à rentrer dans les écoles. Fait que eux autres l'ont pas appris, on se l'est fait apprendre de même à moitié. Mais moi, je demande à ma nièce là, combien qu'elle mesure, c'est pas en pied qu'elle va me le dire, là, c'est en mètre. Ah ouais? Hein. Ah ouais? Shit, okay. Oh ouais! J'aurais cru que justement, même l'habitude, ça serait transmis. Ben écoute, je dis pas que ça va disparaître du jour au lendemain, là, mais ça va se faire tranquillement. Là. Mais nous autres, on est bilingues! Ouais. Il y a le temps de quoi qui dit, moi je mesure tout en Kelvin. Avec pourquoi j'ai fait toi? Je pense que c'est moins 273 Celsius, quelque chose de même. Là, exact. Ouais, ouais. 1,3, si je me rappelle bien. Ouais, quelque chose de même. Là, c'est un chiffre précis. Là. Bref, on va commencer le show. Kevin avait dit chantant ta part. Tu clips. Tu clips, Kevin. Ouais, ça clip. Coupe, ouais. Non. Ok, ben discutez. Ah, ça venait. Non, ah, ça venait. C'est bon. Ouais. Ok. Probablement que par exemple dans le même, parce que ça faisait dans le fuck de l'espoir. Fait que j'avais acheté. Clip encore. Ça clip encore. Ça sonne comme écho. Ok, d'accord. J'ai l'impression. Pourtant, t'as un nouvel ordi. Là, c'est vraiment le problème. Ça serait mieux, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Des fois, c'est le micro qui chante. C'est ça qui est plat. C'est encore sur un micro de Rock Band? Je pense qu'on vient de trouver le coupable. J'ai le bord de changer par exemple. Mais non, souvent c'est pas le micro lui-même, c'est vraiment le. Mais là, vous m'entendez correct ou pas? Ouais, c'est pas bien, je m'entends correct. Okay. Peut-être des conflits sur la bus USB là. Ouais, des fois ça se met à gricher au fond là, pour le déploque, je leur plug. Mais ça faisait ça avec le lavalier aussi. C'est un bug de Windows. En tout cas, c'est ça. D'ailleurs, c'est parenthèse là-dessus. Pour ceux qui sont techniques comme à peu près tous nous autres, il y a une série sur YouTube qui s'appelle The Ben Eater. Puis lui, il part d'un breadboard, puis il monte un mini ordinateur 7502 genre sur un breadboard, puis il explique tout en détail comment ça marche. C'est vraiment... Wow. Puis là, c'est la dernière vidéo, il expliquait comme un protocole USB, puis man... Comme... Tu sais, c'est comme tout est... Tu sais, il n'y a rien... Tout est pôle, là. Fait que tu sais, c'est tout est polé, polé, ça veut dire que genre, tu demandes, hey, t'es-tu en vie? Fait que là, il m'avait check, il avait mesuré comme deux claviers, un cheapass pis un plus récent, pis tu peux avoir différents types de bandwidth sur le USB. Fait que le clavier cheapass, il se faisait polé, je sais plus le terme en français, il se faisait comme demander à 16 millisecondes. Fait qu'un frame à 60 fps, puis l'autre était à pointé, fait que, tu sais, puis parce qu'il y a beaucoup de gamers et de pros de gamers PC genre hardcore qui jurent par des claviers puis des souris PS2 parce qu'il y a moins de latence. Ok. Puis finalement, un clavier comme pas cheap là, c'est aussi performant que, il pôle aussi rap aussi souvent qu'un clavier PS2. Non, là, en fait, c'est pas juste ça aussi, c'est le avec le PS2, tu pouvais avoir du ce qu'ils appelaient le N-Key Rollover. Tu pouvais s'appuyer sur plusieurs touches en même temps. Et au début, en USB, tu pouvais pas le faire. Donc c'est pour ça que les gars... Ouais, maintenant c'est fait. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, ils disaient « T'es mieux de brancher en PS2 pour pouvoir jouer. » Parce que t'es censé appuyer sur plusieurs touches en même temps. Mais maintenant, il y a plus de différence. L'USB a rattrapé, puis c'est mieux. Ça sert à rien, parce que le PS2, c'est même pas plug and play. Ouais. Tu débranches, tu rebranches, il faut que tu rebootes l'ordi. C'est vrai. T'as pas les chances de créer ta machine aussi, quelque chose de même? Non, c'est juste, c'est pas reconnu. Ouais. Fait que bref, c'est super intéressant, pis ça, je savais pas ça. T'as des oscillateurs, des espèces de trucs qui affichent les ondes, là. Ouais. La star qui décode le protocole USB.
Ben non. C'est vraiment malade, là. Fait que tu le vois comme... Tu vois tout, il liste tout, genre, comme les bytes USB qui parlent, il peut lister, genre, toutes les petites commandes du protocole. Ah, c'était assez fou, là. C'est comme... Voir que ça existe, man. J'imagine que oui, tu peux débugger des périphériques qui... Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que lui, ça l'a fait prêter par la compagnie pour, comme, hey, acheter notre beau produit. Ouais, ouais, pourquoi pas? C'est clair. Tu peux voir exactement quand est-ce qu'il dit, it's now safe to unplug your USB key. Ouais, c'est ça. Fait que, je m'attends qu'il fasse. Parce que d'habitude, quand il a fait ça, justement, quand il présentait le protocole PS2, puis après, il a acheté le support clavier sur son ordinateur 6502. Fait que j'imagine. Bientôt, il va acheter le support USB sur son ordinateur breadboard 6502 pour un clavier USB. Ouais, des bonnes chances. Forcément, okay, s'il gosse là-dedans, il va certainement ajouter ça. Hein. Ouais, fait que pour ceux qui sont fans d'informatique, allez voir ça. Ben Eater. Ben, puis Eater comme Eat. E-P-R à la fin. Ben Eater. Appelle-moi ça, là. Ban? Ban ou Band? Ben. Ouais, écris-les. Ben. Ben Eater. Je vais le taper dans le chat. B-A-N. Ah, ben Eater. Eater. C'est ça. Ok. C'est ça, j'avais compris. Ah. Ok. Okay. Ah, bon. Ben. Ok. Ok. C'était son nom. Je pensais que c'était un. Juste un nom. C'est son nom. Juste un nom de chaîne. Ah. Ben Eater. Non, c'est Eater. Son nom. Je trouvais que ça n'a pas de sens. Bon. C'est son nom, ouais. Right. Il explique super bien pour vrai. Bon, bref. Kevin. Shout out. Ouais, c'est ça. Donc. J'ai acheté une boîte de Abuse Fury sur le CCGVQ, je pense. Et non, c'est pas la boîte, le jeu. Parce que j'avais une boîte vide. Puis je pensais que j'avais les manuels. Finalement, j'avais pas les manuels. Je suis ah, merde, il me manque le manuel. Puis il y a Philippe, qui est un auditeur, un fidèle auditeur de chaque, qui dit hey, j'ai ça, moi qui traîne. J'ai dit Emmanuel. Il dit j'ai Emmanuel pour la map. J'ai pas besoin de la map. Fait qu'il m'a envoyé. Gratis, des beaux manuels. Là, de. J'ai dit nice. Parce qu'il y a le manuel original. Puis le manuel de la version française, c'est ça. Malade. Ma caméra, elle veut pas focusser, là, mais... Fait que, merci encore, Philippe, de me permettre de compléter ma copie. C'est tout ce que je voulais. Je voulais juste faire un shout-out en début de show. Et c'est sur notre Discord, d'ailleurs, qui nous a pas... Ouais, c'est sur notre Discord. Hein. Exact. Notre Discord, ouais. C'est peut-être sur le mien, mais c'est sur Discord. Je pense que c'est sur le mien. Ouais, c'est... Ouais. Je pense que c'est sur le mien. Stack Discord. Fait que voilà, donc, c'est ça le shout-out que je voulais faire. Donc, moi je vais y aller, je vais commencer. C'est pas nécessairement une nouvelle plus qu'un mini-review. Fait que j'ai reçu mon RetroThink 5X Pro. Fait que le nouvel upscaler de Mike Chi, qui s'est fait connaître pour le RetroThink 2X Pro, puis le RAD 2X aussi, fait que c'est des corps par console qui contiennent l'upscaler qui sont HDMI, puis il y a RetroMink Cable UK qui les vend aussi. Puis il a annoncé ça comme quasiment out of nowhere cette année, comme hey, je commençais de voir dans les derniers mois qu'il y avait l'air de quoi qui se passe, que je pense Walter il disait comme ah, je suis en train de tester, vous allez voir, ça va être malade ce nouveau produit-là de RetroThink. Puis effectivement, fait que c'est un nouvel upscaler vraiment qui là, il commence à jouer dans la ligue du Framemaster puis de l'OSSC. Là. Fait que effectivement, comme l'a dit le nom, RetroThink 5X, fait que ça double, ça line double, entre guillemets, fait que ça output la même ligne 5 fois, fait que ça permet d'upscaler en 1080p. Comparativement, par exemple, à un film master qui va faire du processing sur l'image, pas juste line double, right? Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même, t'as quand même un système de triple buffering, là, pareil, là, sur le. Pour. Mais il n'y a pas de la upscaling plus traditionnelle que genre il scanne, il attend qu'une image complète soit là, puis après il upscale là. C'est vraiment plus proche de l'OSSC dans ce. Ouais. Mais pas mal plus compatible, je te dirais. Ok. Fait que donc tu sais, comme la philosophie de Mike Chi, c'est que, comme il disait en anglais, c'est comme fais juste jouer au mot du jeu. Fait que lui, ça, c'est vraiment le plus. Pas de gossage possible, le plus simple possible. Puis sérieux, man, ça fait tellement du bien, là. Parce que, déjà, le Framemaster, quand tu l'achètes, ben, il est boot en japonais. Ouais. Fait que ça, c'est pour le fun. Puis là, faut se trouver des options où vous le mettez en anglais. Puis après, t'as la manette qui est en japonais, ça, tu peux t'en sortir quand même pas si pire. Puis le menu de la Framemaster, il est vraiment comme, tu sais, c'est du English pas mal, là, on va se le dire, là.
c'est pas de faire du café, tu sais, pis il y a plein de settings à faire. Mais de base, ça marche quand même bien, mais tu sais, faut que tu... Pis c'est vraiment confusing sur le Frame Master parce que là, t'as un mode game, mais c'est pas recommandé de l'utiliser pour game, t'es mieux d'utiliser le mode image de picture pour avoir une meilleure image quand tu fais utiliser des versions de console, fait que c'est... C'est un peu confusing, puis Frame Master aussi, le gros désavantage, c'est que le port USB, c'est un mini port. Puis il commence à. En tout cas, le mien, puis je pense même lui à Johnny Retis, tu sais, il commence à être un peu flinky, puis. Parles-tu du mini 18? Ouais, le mini 18 en avant, là. Ouais, ça, oui, j'ai changé parce qu'il commençait à lousser. T'as changé le port au complet, là. J'ai changé le port au complet, ouais. Ah, c'est ça. Moi, il sort. Tu sais, je le shake un peu, pis là, des fois, tu vois que ça vient mauve, pis tu sais, il manque des couleurs. Fait, ah, man. Tu sais, comme tu m'en avais donné un autre adapteur mini 18 à Discard, parce que le mien commençait à faire défaut. Fait que, sérieux, ça a fait chier. Fait que là, après, on a l'OSSC qui lui, c'est un line doubler pur. Ce qui fait que, lui, il fait juste line doubler. Fait que, si tu veux en faire en 5 kicks, ou en 4X, je sais plus, comme il fait du 4. Tu sais, il fait du 4? 5 aussi. Ouais, il fait le 5. Mais c'est parce que lui, il va sortir des résolutions un peu bâtardes, qui sont pas vraiment dans les specs de l'HDMI, tu sais. Mais c'est. Et puis pas toutes les télés qui vont le supporter, tu sais. Exact. Et des cartes de capture, ce qui fait qu'il est comme. Ben, c'est un peu. Ben, c'est un peu du guess. Comme moi, c'est en fin de semaine, là. J'avais branché mon Super Nintendo, puis à tout bout de champ. J'avais des le sync lâchait. Puis dans le pass-through, j'étais pas en 4.3, j'étais en 16.9, j'ai jamais compris pourquoi. Fait que je pouvais pas jouer avec le pass-through parce qu'en plus, lui, le sync lâchait aux 10 secondes. Fait que ça, c'était vraiment problématique. Là. Fait qu'il y avait ça dans l'OSSC, puis si tu vois une image optimale, mais là, faut que tu ajustes tout plein de paramètres de horizontal sampling, puis là, c'est par console, puis là. Les profils. Ah, c'est vraiment beaucoup de gossage. Les profils, c'est dégueulasse. Ah non, c'est ça. Malgré qu'il existe un site web que tu peux pré-programmer. Ouais, mais moi, tu vois, là, j'allais loader avec des profiles que j'avais ramassés qui sont sur l'autre Brand X. Oui. Puis même ça marche pas. Ça marche pas. Exact, moi non plus, ça marche pas. Ça dépend des jeux, puis là, quand je le branche à ma télé, ça marche. Je le branche à d'autres choses, ça marche plus. Puis. Puis l'affaire, qu'est-ce qui est plate, si tu fais updater ton framework, ben tu perds. Profil disparaît. Tous tes profils. Ouais. Profil disparaît, t'es comme tabarnak. Donc, c'est ça. Donc le 5X, ses fonctionnalités de base, c'est ça. Il fait du 480p. Pour la résolution, il fait du 480p, du 720p, du 1080p fill. Ce qui veut dire qu'il essaie de remplir à la verticale au complet ton image. Avec du noir au pire, genre? Non, c'est à la verticale. Fait que c'est qu'il remplit, genre, à la verticale, qu'il n'y a pas de noir à la verticale. Il y en a sur le camp, en horizontal, mais il n'y en a pas en verticale. C'est fait que c'est du 4.5X dans ce cas-là. T'as 1080p under, qui est le 4X. Okay. C'est ça que j'avais entendu. Ouais, c'est ça. T'as le 1080p over, que là, lui, c'est du 5X. Ouais, c'est ça que l'OSSC il fait celui-là. Mais ouais, ça coupe en haut en bas. Ouais, c'est ça, exact. Ça coupe en haut. Fait que ça dérange pas. T'sais, la majorité des jeux, ça dérange pas. Pour vrai. Mais je pense que l'OSSC, lui, il sort en 1080p pareil quand c'est en 5X. Ouais. Ok. Ouais. Parce qu'il y a. Okay. Il y a juste le mode over. Fait que dans le fond, il va cropper en haut en bas, puis tu le sors. Mais c'est pas toutes les télés qui l'acceptent. Non, la mienne, elle prend pas. Non, c'est ça. J'en ai une qui veut, et une qui veut pas. Donc, puis le TV, pour la résolution, le TV Limer de Mike Chi, il a racheté deux résolutions qui est vraiment assez épique. T'as le 1200p, qui est le 5X, carrément. Et le 1440p. Fait que dans le fond, le 6X. Fait que pour les télés qui le supportent, les moniteurs, moi j'ai un moniteur 1440p, puis ma GCX supporte le 4040p. Il y a juste que dès que tu utilises les résolutions en haut de 1080p, moi, si ma télé, il va pas les afficher en 4.3 comme du monde. Ah. Fait que je suis obligé de, dans les settings d'image, de mettre mon image en 4.3. De la télé? C'est un peu... Une image de la télé? Ah, mais c'est pas si pire. Ouais. Okay. C'est pas si pire,
Puis j'ai un autre de mes amis qui a confirmé que ça faisait la même chose sur une télé Sony. Fait que c'est pas juste les LG que ça fait ça. Là. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas. Non, qu'il l'a pas publicité. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas le 6X, c'est le 5X pour te dire ça, ça va être compatible. Le reste, c'est. Ça dépend des télés. C'est du bonbon, là. Tu sais, il met si c'est ta télé du support. Puis justement, c'est pour ça qu'il le publicise pas, parce que ça marche pas sur toutes les télés, tu sais. Fait que si c'est ta télé du support, t'es chanceux. Puis tu sais, la LG, vu que c'est un modèle télé qui est très axé pour les gamers. Fait qu'il supporte ces résolutions-là. Puis tu sais, gamer, gamer PC. Fait qu'il supporte des options de PC sans problème. Une autre grosse feature du RetroTing, c'est qu'il y a des profils prédéfinis par console. Fait que t'as une section qui s'appelle Horizontal Sampling. T'as le générique 4.3, le générique 16.9, si tu veux que ça soit stretché comme en 16.9. Pour les gens que ça intéresse. Je comprends pas ces gens-là, mais bon. fait qu'en générique 4.3, peu importe la résolution du jeu, ça va tout le temps marcher. Parce qu'il faut savoir que certains jeux, même sur plusieurs consoles, ils vont changer de résolution à leur des fois horizontale ou verticale selon le jeu. Fait que par exemple, sur Super NES, le menu de la ZSNES, il est en mode high-res. Fait qu'il est en 512 par 240. Okay. Fait que si tu utilises. Puis il y en a d'autres aussi, il y a plein de jeux. Puis sur Genesis, des fois c'est en 320, des fois c'est en 256. Fait que si tu utilises le mode de sampling qui s'est écrit Super NES 256, mais le menu de la ZSNES, il va comme être. La fun va être comme compressé sur le côté, ça va être dur à lire un peu. Fait que. Mais dès que tu tombes sur un jeu que tu mets sampling, c'est un jeu, tous les jeux roulent en 256, la majorité des jeux de Super NES. Oh mon dieu, là, ça vient magique, là. Avoir le résultat d'un sampling, ça se traite vraiment comme du monde, ça prend l'écran comme du monde, ça en met le bon ratio, c'est parfait, là. Fait que je l'ai essayé avec ma Neo Geo NVS, ça marche avec le profil Neo Geo. Genesis, ça marche. Saturn aussi, ça en a un autre que ça. Ça shoot un peu toutes les bords. PC Engine aussi, il y a un mode IRS. C'est pour ça que. Au début, j'étais comme, mais pourquoi mes fonts sont. Ben, weird, un peu comme un mode IRS, le PC Engine. D'ailleurs, une tonne de PC Engine qui start. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait un mode IRS sur le PC Engine. Ouais, il y a un mode IRS sur le PC Engine. Moi, je sais parce qu'il y a Chris Covell qui avait fait des démos pour le démontrer, genre. Le mode genre, tu sais, 512, un peu comme la Super NES, hein, ouais, mode ouais. 512 horizontal. Okay. Puis le menu de la SD System 3, c'était ça. Fait qu'il faut que tu le mettes en générique 4.3 pour que les fun soient lisibles. Fait que. Il est capable de détecter les, quelle console, non? Non, faut utiliser ça à bras. Mais par contre, c'est ça. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Il ship avec une manette générique, mais il n'y a pas trop de boutons dessus. Fait que c'est assez facile de se rappeler qu'est-ce qui fait quoi, là. Il y a un bouton désir justement pour le sampling horizontal. Fait que tu peux swapper entre les deux. Fait que ça, c'est un des gros. Quoi? Tu viens de voir, la manette est vraiment cool. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est une manette générée, mais sérieux. Tu t'apprends assez vite. Ça fait la job. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment utile. C'est là qu'il ship avec le pour le OSSC, il y a beaucoup trop de boutons pour ce que t'as besoin. C'est quoi les boutons? Là, celle-là, je pense qu'il y a genre 6 boutons là, dans le phénomène. Ouais, les boutons directionnels, plus à peu près c'est ça autre bouton fonctionnel. Tu es facile à trouver, tu sais, ok, ça c'est le bouton input, t'as le bouton power, ouais. le directionnel ça sert à naviguer des menus. Bouton enter, ça permet de choisir de swapper les options, mettons s'il y a plusieurs affaires. Plusieurs options dans les menus. Fait que ça, c'est une des grosses features qui est vraiment, vraiment cool. Fait que, justement, un des trucs qui est vraiment cool avec le SSC, c'est que tu peux configurer genre avec précision ces trucs-là, mais personne ne veut faire ça, pour vrai. Fait que lui, Maichi, il a fait des presets, il cherche à swapper entre les presets, puis dès que tu mets ça avec les presets, puis que ça marche, c'est super, vraiment beau. Là. Ça, il a-tu fallu que tu updates le firmware quand tu l'as reçu, ou... Non. Qui était non, pas de base. Parce que j'ai regardé une vidéo de GameSack aujourd'hui, puis il semblait pas trop triper sur les. Il disait, ouais, tu vois, le générique 4.3, c'est ce qui fait le plus la job, genre. Ouais, mais ça dépend des personnes, là, tu sais. Je comprends son point, là, de comme dire que le générique 4.3, c'est le mieux parce que t'as pas à gosser, là. Mais moi, j'ai remarqué une sorte. Tu sais, entre le 4.3, mettons, sur un jeu de Saturn, un jeu de Genesis,
tu voyais qu'ils prenaient plus de place à l'horizontale, tu sais. Fait comme si le sampling était vraiment meilleur pis t'es capable de faire un meilleur job de line doubling, tu sais. Fait que c'était un peu sans complaint, disant, on dirait que je suis plus en 4-3, mais finalement... Ça donne cette impression-là au début, mais finalement, tu te rends compte que... C'est encore Ça l'est pareil. Moi, je trouve que c'est... Je trouvais pas que c'était comme les pixels d'un déformé ou truc comme ça. C'est sûr que j'ai pas pris de mesures scientifiques, genre à checker avec des jeux qui a des cercles dedans, puis voir que c'est sûr que c'était vraiment des cercles ou des ovales, tu sais. Je suis pas allé de même, là. C'est vraiment, j'étais allé au feeling, là, pour ce truc-là. L'autre truc qui est vraiment, vraiment intéressant, que j'ai pas vraiment essayé beaucoup, c'est le tir interlacement, tier interlacing. Fait que le truc qui convertit un signal interlacé, fait que le 480i qui est sur les consoles à partir de la génération Saturn, PS1, PS2, tout ça, il y a comme son propre algorithme d'adaptation, puis je l'ai pas essayé, mais selon une vidéo de My Life in Gaming, c'est comme le meilleur de l'industrie qu'il y a pour l'instant. Ouais, ça a vraiment hâte. C'est intéressant. Ouais. Puis une autre affaire, justement, c'était juste cette version-là, pour ceux qui ont joué à des jeux, mettons comme Chrono Cross sur PS1 avec le OSSC ou le Framemaster, le jeu, tu sais, ces jeux-là, ils changent souvent de résolution, ils passent de 240p à 480i quand tu vas dans les menus. Mais avec le RetroTink, c'est genre, il n'y a plus de drop, là. Il n'y a plus de drop de sync, là. Tu vas peut-être voir des glitches à l'écran, mais là, ça va swapper vraiment sans problème. Je pense justement à la vidéo de GameSack qui montrait des jeux au Saturn que ça switch tout le temps. Ouais, il y avait Dead or Alive au Saturn. Ouais. Je pense qu'il y en avait un autre. Dans celui qui n'est pas montré, il y a Die Hard Arcade qui est comme reconnu pour tout le temps dropper. Puis tu parles. Ça, c'est Chrono Cross, l'exemple. Puis ouais. Je pense même que Resident Evil aussi. Il y a plein, ouais. plein de jeux là, qui font ça. Symphony of the Night sur Saturn. Ouais. Ouais. Quand j'essaie ma Saturn, je n'ai pas eu quelques-uns qui swappaient de résolution. Là. Puis ça marche vraiment bien, pour vrai. Là. Quel autre feature qui est vraiment cool? Les scanlines, moi, je les trouve vraiment. J'ai recommencé à jouer des scanlines. Chose que j'avais arrêté de faire sur le Framemaster. Je trouve que. Est-ce que je devrais monter? Ok, c'est toi qui pose la question. Excusez. Ouais, parce qu'elle a pas l'air forte dans mes oreilles, mais j'ai oublié de faire un test de d'enregistrement. C'est quand on l'entend souvent, c'est ça qui est important. Quel autre feature? Il y a un low-pass filter pour aider pour les jailbreaks certaines consoles en arrière-plan. Quelle autre affaire qu'il y a? Le low-pass filter, il aidait pas aussi... J'essaie de me rappeler, il me semble que les jeux de SNES avaient une tendance à bleeder un peu. Ouais, je pense que ça aide pour ça aussi. Il me semble que quand l'OSSC l'ont mis, ça avait fixé ça, genre. Ouais, c'est ça, parce que les Super NES de première génération, c'est-à-dire ceux qui sont pas one-chip, sont très biaisés vers le rouge. Le rouge, il bleed en, s'il vous plaît, sur les Super NES. Ah, je pense que c'est ça, ouais. 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 Mais j'ai un jitter dedans. J'ai pas essayé que ma Super NES pas one chip, fait que j'en ai aucune idée. J'ai juste testé que ma Super NES mini qui est une one chip. Ouais. Parce que puis mais quand j'ai essayé justement un RGB avec ma Super NES pas one chip, ma Super NES normale, les OG, celle que j'ai. Je trouvais que justement les rouges, man, c'était comme. Tu vois que à True Trigger, man, chrono il pop, man, tellement qu'il est rouge. Ça a pas de crise de sens là. l'autre feature, c'est vrai, j'ai oublié spécial. Retro5X, il y a le Composite S-Video. Je me trompe-tu? Composite, c'est cool, par exemple. Le Composite. Je vais aller voir. Composite S-Video, Componun. Le Componun, sur Scart. Il y a Scart Direct, full. Y a-tu le VGA? Ouais. Non, il n'y a pas VGA. C'est vraiment pour les consoles. Là. C'est vraiment, vraiment fait. Ouais, mais là, je pensais, mettons, Dreamcast. Ouais, mais tu sais, il y a certains ordi, des fois, que. Parce que ça, il est bon pour les ordi, là. Justement, le Modern Vintage Gamer, quand il l'a essayé, il trouvait qu'en PAL, sur l'Amiga, c'était comme un peu bizarre, là. Mais quand tu considères que c'est vraiment le focus, c'est un noir américain qui a fait ça pour les consoles, tu fais comme, ok, tu sais. Mais tu sais, ça peut être. Ça peut être patché dans le firmware update, ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était vraiment spécifique son use case, lui, là. C'était vraiment très spécifique. Mais pour les amis français qui nous écoutent, le PAL marche. Inquiétez-vous pas. Le PAL marche, le Retro 5. Retro 5, c'est ce que moi j'ai pas pu l'essayer, mais le PAL marche.
Les consoles sur peut-être sur certains ordinateurs, ça risque d'être un peu bizarre, là, vu qu'eux autres peuvent. Comme l'Amiga, tu sais, ils peuvent configurer la solution que ça a pas. Surtout quand t'as des Warbench un peu plus récents, relativement parlant, on s'entend. Donc c'est ça, fait que vu que le composite, tu peux aussi changer le type de. Comment il interprète le signal composite. Fait que selon le COM filter, tu peux configurer le COM filter aussi. Je connais comment pas il interprète ça, le COM. Je sais pas c'est. C'est quelqu'un de composite, c'est pour ça. Il y a des options pour configurer ça, puis quand tu joues en composite, tu peux choisir la manière comment il décompose le signal composite. Quelle autre affaire qu'il y a? Les scanlines, c'est polyphase 50-75% et true integer à 100%. Fait que c'est différentes manières de d'étanceler les scanlines. Moi, je l'ai mis en polyphase 50. Fait que ça, évidemment, ça va assombrir l'image, mais quand tu le vois en action, tu fais comme wow. Ben, tu vois, ils ont sorti un update framework là, 5 jours. 3 jours. Pour les scanlines, t'as maintenant 25, 50, 80 et 100%. Ah, c'est nice, ça. C'est d'ailleurs update, ça, moi, j'ai fait comme... Ah, c'était plus pour des consoles 480i. Ouais, ça date du 26 mai, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, là, c'est plus... Parce ouais, que justement, Modern Vintage Gamer, quand il avait essayé des résolutions interlacées avec le Play 2... En SCART, il y avait des problèmes. Mm-hmm. Puis Mike Chi avait dit ah, utilise les Core Component que lui, il avait pas sur la main, fait qu'il disait ben, j'ai pas pu le tester, genre. Mais ça doit être ça que tu dis qui a été fixé depuis. Là. Fait que ça, c'est plus un problème. Fait que déjà, son vidéo est top solide, genre. Non, mais ça, c'est normal, là. C'est un produit, genre, qu'on connaissait même pas, qui existait comme au mois de février, tu sais. Puis, moi j'ai fait une update firmware à l'app. Ça marche très quand bien. Parce qu'il y a un câble USB. Non, par USB. Oh. C'est par USB. Okay. Ouais, fait que ça prend un programme custom. Faut installer le driver USB de la chip qu'il utilise dans son truc. C'est un peu plus. C'est en plus d'étapes pour updater le firmware. C'est pas juste mettre une micro USB. Mais au moins ça marche très bien, puis c'est pas trop loin à updater. Et je sais pas si ça marche sur Mac par contre. Fait que je pense que c'est pour ceux qui sont sur Mac ou Linux, c'est pas pour eux autres. Je pense que ça va prendre une VM Windows pour rouler ça. Fait que, overall, moi sérieusement, je suis très 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 satisfait. Mieux que l'OSSC. J'ai pas essayé l'OSSC, fait que moi j'avais un Framemaster, j'étais comme, pourquoi j'aurais un OSSC, tu sais. Ben moi j'ai un OSSC pis le RetroTank Game Tank. Je suis tanné. Non, c'est moi avec. J'ai jamais les bons settings, ça marche jamais, genre. Il y a quelqu'un là qui a dit ah, j'en ai acheté deux pis j'en ai peut-être un. Tu parlais mec pis je l'ai poké, j'ai dit tu l'as-tu encore? Ouais. Moi sérieusement, tu sais, je pense pas rebrancher mon Framemaster. Pour vrai là. Je vois pas de raison. C'est plus simple à configurer. Il y a une prise full SCART au complet. L'image, je trouve qu'elle est plus belle, sinon plus. C'est comme moins de noise. Ça marche vraiment mieux, je trouve. Fait que sérieusement, le RetroTink CyrX, c'est comme l'upscaler à battre pour l'instant, selon moi. Il y en a d'autres qui sont. Ben, c'est là que tu t'en allais. Là. J'allais dire, penses-tu que l'OS7 Pro va être intéressant à ce point-là? J'ai comme l'impression que l'OS7 Pro. De par son nom, ouais, c'est à voir. Va avoir encore plein de settings. Puis c'est comme pas ça que je veux. Non. Je veux pas quelque chose qui en fait plus. Je veux quelque chose qui marche plus facilement. Puis le RetroTink, c'est ça qui fait. T'sais. Non. Moi, c'est là que c'est exactement là que je m'en allais parler justement. Il y a l'OSS Pro qui s'en vient. Je sais qu'il y en a un autre aussi que je ne me souviens plus du nom qui est supposé s'en venir. Personnellement, ça va être un wait and see pour l'OSS Pro. Mais j'ai l'impression que moi aussi, que ça risque d'être la version comme milieu de l'OSSC. Fait que tu sais, comme ben, une partie upscaler, pas juste du line doubling pis trucs comme ça. Mais comme le RetroTink SideX, voilà. C'est tellement plus simple. Tu sais, c'est pas un. Ça a pas l'air d'un kit, tu sais, bidouillé, là, comme l'OSSC, c'est dans un beau case. Ça a l'air d'un produit fini, tu sais. On s'entend, là, c'est un gars.
c'est un gars tout seul avec sa femme l'aide pour la manutention, puis c'est tout. Là. C'est un gars tout seul qui fait ça dans son temps libre. Là. Fait que non, présentement, il a pas rouvert de précommande encore, mais ça va venir. Ouais. Ben, il dit que sa prochaine batch, ça serait juin-juillet, mais de le suivre sur Twitter pour avoir les follow-up. Ouais, le temps que vous en avez parlé sur le chat, c'était déjà tout vendu. Non, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai réussi à l'acheter ben peinard. Là. J'ai pas eu trop de problèmes. Ouais. Hein. Ça a vraiment bien été. C'est ça. Puis, mettons, 300 quand même. 300 US. C'est ça. Il m'intrigue. Je vais peut-être pas le Switch. Plus shipping. Plus la douane. Ouais. Parce que c'est shippé par DHL. Plus la taxe DHL. Ah, puis c'est la table au bout du tac DHL. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils font un chier pour ça, là? Je pense qu'il vendait. Je pense qu'il vendait 4,50. Ça me parce semble quand tu compares, ça me semble pas payer 4,50 avec le taux de change, les douanes, pis tout. Ah, oh ouais. Ah non, 4,50, c'est ça. Mais quand on se regarde, le Framemaster était pas mal plus cher que ça. Ouais. Quand moi je l'ai acheté en 2014, c'est, c'était 5. C'était 400 ou 400 US. Ouais. Chose de même, ça revenait comme à 545 US, là. C'est ça. Avec le douane, avec les douanes pis tout, là. Puis moi, j'ai payé un Stanley Sato, je pense que j'ai payé peut-être 400 canadiens. Environ. Fait que tu sais, on te compte dans la game de. T'as pas une d'offre master à Stanley Sato? Ouais, on a fait un road trip. Moi, pis Jérôme, pis moi, qui avait. Mais ça fait 5 ans de ça. Je me rappelle pas que c'est à Sensato. Mais parce que c'est lui qui en a un plus. C'est lui qui a acheté le 2 à trop teint et qui en a un plus. Fait que ça se peut que c'est. Ça se peut que ce soit là, je l'ai pas. Puis là, ben, en plus qu'il fait le composite, je vais pouvoir brancher mon VHS dessus, le rétro-teint. D'ailleurs, parlant de VHS. J'ai hâte d'essayer ça. Parce qu'il paraît que le VHS, mais il sort vraiment bien en plus sur le rétro-teint. Ben, c'est ça qui m'intrigue. Puis je vais peut-être vendre le Framemaster parce que, tu sais. Ça servirait plus. Moi, il y a des bonnes chances aussi que je le vende. Là. T'sais, pis l'OSSC, ben. Chance. J'y pense, là. Que... Si je peux pas gagner un trotting, oui. Sérieux, ça vaut la peine. Je trouve que c'est vraiment. C'est un œuvre. Tu sais, j'attendais comme justement. Moi, j'attendais l'OSSC Pro. Ouais, moi aussi. Je commençais à être tanné du Framemaster oui. Justement à cause de la prose midi-nuit. Pis. Ça a vraiment. Puis en plus, ça, là, comme je dis, ça marche vraiment mieux. Puis l'audio du. T'as testé Component? Non, je pensais Component. Ok, je me demandais, l'audio du Component, c'est-tu un Jack 3.8 ou c'est deux prises RCA? Deux prises RCA, ouais. Parce que l'OSSC, ça te prend. Ok. Parce que l'OSSC, c'est un Jack 3.8, fait que ça te prend. Un adaptateur. RCA vers prise d'écouteur, là. Ouais, ça c'est dégueulasse. Mais bon. Déjà, faut le rappeler que l'OSSC, c'était juste en DVI quand c'est sorti, là, pis il n'y avait pas de son. Oui. C'est l'autre affaire, là. Oui. C'est un bel effort pour vrai, l'OSSC, là. Comme propre, mais c'est sûr, mais c'est quand même un produit qui a déjà 4, 5 ans presque. Après, ouais. Quand les gars ont acheté Retrovision, pis Bob était venu, man. Et quand le dernier Festival Rétro, c'est quoi? C'était en 2017, 2016? Oh, c'est une excellente question. Mais c'est vrai que c'est là que j'avais appris qu'il y avait enfin du son. C'est ouais. Là qu'il avait dit, ouais, là, c'est... Tu peux le modifier toi-même, mais les nouvelles... Les nouvelles batchs, il y avait le batch, son. Ouais, à cause du HDMI. Mais OCC Pro, il mentionnait que, en tout cas, c'est, la rumeur, c'est qu'elle allait avoir un FPGA dedans. Ouais. On parlait peut-être qu'on est capable de faire rouler du Mister dessus. C'est toutes des rumeurs à ce stade-ci, mais ça, c'est quelque chose. Si ça arrive, c'est ce qui va me pousser plus à aller vers ça. Parce que j'attends pour un Mister. Ouais. Non, sérieux, s'ils font ça, pour vrai, ça serait vraiment winner. Parce que, tu sais, le Mister, c'est vraiment cool, mais ça reste vraiment... Tu sais, c'est t'es pas du duct tape un peu, on va se le dire, là. C'est comme, ouais. T'achètes un kit, ouais. Un kit de 10 nano pour les étudiants, puis là, faut t'achètes le I.O. board, puis là, faut t'achètes la RAM. La RAM, le USB. Ouais, c'est ça, c'est un kit à monter, là. Fait que d'avoir de quoi qui est comme Mr. Compatible, mais qui est comme plug and play, là, ça serait hallucinant. Un peu,
Après, c'est faire du Mister, ils veulent l'augmenter, je pense, entre 10 et 20 pièces US. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça, le prix est augmenté. À cause de la demande, là, à cause du shortage de chips. Là. Ben, c'est ça. Là. Ouais. Je confirme mai 2017, le dernier festival rétro. Où ce que Edgy Retro Vision, puis que Bob de Retro GB est venu, puis René de DB Electronics. Ouais. Fait qu'il avait dit, parce qu'il avait dit pendant le podcast, quand j'avais posé la question, c'était quoi son upscaler qui pleurait en peine. Puis il avait répondu l'OSSC à cette époque-là. Ouais. C'était nouveau, là. C'était vraiment très. Ouais. Parce que ça faisait un an ou deux, je pense, ça existait. En 2017. Ouais, ben, quand ils sont venus, il y avait déjà le son de l'HDMI. Ce qui n'était pas le cas là, quand c'est sorti. C'est vrai. Fait que mettons que c'est sorti en 2016, fait que c'est un produit qui a 45 ans. Ouais. Y a-tu un des. Soit le OSSC, peu importe la gang, qui est capable de bien émuler les artefacts que le CRT fait, tu sais, comme. C'est quoi le compte Twitter, le CRT, CRT Pixels? Tu sais, qui montre vraiment avant puis après comment que les gens codaient pour prendre. Disney, ouais. Pour que ça sorte bien sur un CRT. Je me demande s'il y a un filtre qui reproduit bien ça. Ben, si tu mets ton jeu en composite, il va bleeder pareil, là. Je sais pas pourquoi, pas comme. Non, parce que c'est pas juste. C'est le signal composite sur un CRT. Tu sais, j'imagine si tu upscales du composite, il va bleeder. Tu sais, il va blender les couleurs pareil comme sur un CRT, là. Je sais pas pourquoi que ça le ferait pas, là. Je pense pas. Ben, c'est sûr vraiment que... la façon que le pixel se fait sur un CRT versus. Ouais, c'est sûr qu'il sera pas aussi beau, là, tu sais. Hein? Que sur un CRT en composite, là, tu sais. Tu sais, le blending sera pas aussi beau, là. Parce que ça, théorie, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire de façon digitale, tu sais. Il y aurait manière, tu sais, si tu fasses un filtre, un pixel shader post-process. Ouais, exact. Mais je sais pas si ça existe. En hardware, je pense pas. Puis même sur PC, en software, je suis pas sûr que. S'il y en a là qui essayent de l'émuler, ouais. Mais qui l'émulent vraiment pour que ça fasse pareil, là. Pas sûr. Fait que, mais non, ce serait vraiment le best là, pour vrai qu'il y ait ça, là. Ce serait vraiment cool, là. Parce qu'il y a des jeux, tu vas comme. Oh, ok, ouais. Il y a des pixels, tu fais comme, mais pourquoi c'est ça, cette couleur-là? Puis là, tu checks ça sur un CRT. C'est un CRT en composite, puis c'est comme. Ah, ben là, c'est pour ça. C'est ça, c'est pour ça. Ouais. Je pense pas que c'est la grande majorité des jeux, mais je le savais que c'était quelque chose, mais depuis que je suis CRT Pixel, puis ils te montrent justement des screenshots de ça en émulation versus sur un CRT, puis il y en a que c'est frappant, là, tu sais, ah ouais, regarde, ça a été fait pour ça. Là. Puis toute la première génération de consoles 3D, c'était fait pour ça aussi, tu sais. C'est là que tu te rends compte que plein de jeux de PS1 en 3D, man, si ça roule pas en composite, man, sur un télé CRT, là. Oh my god, ça fait dur. Mais comme Final Fantasy VII, c'est lui qui. C'était ça sur ton compte-là, je l'avais vu, là. Puis ça frappait la différence, là. Le jeu était vraiment plus beau, là. Moi, je trouve pas ça plus beau. Moi, là, c'est ça. Moi, je trouve ça. J'ai jamais été un fan, hein, du CRT. J'ai jamais vraiment eu votre. Tu sais, genre, ah ouais, tu sais, moi, le Pixel Sharp. Fait que. Ah, moi aussi, j'aime. C'est juste flou sur CRT. Puis là, je fais, ben, c'est LED. Puis là, je le vois Charles, je fais, ah, c'est LED, mais c'est Charles pour moi, tu sais. Non, moi, je préfère. Mais plus Charles. J'ai pas la perception, on dirait que. Il manque quelque chose, là, pour l'avoir. Moi, tout, je suis comme toi, mais comme avoir ça, tu vois certains jeux, tu fais comme, ah ouais, comme. Mais tu vois que ça blend. C'est ça, j'étais allé voir exactement ce compte-là, puis j'étais comme, ben. Je vois pas tant de différence, à part que lui c'est flou pis pas lui. Le fait que ça blende, pis pour moi c'est juste flou. Ça me fait pas. C'est parce que j'ai pas d'imagination, hein, fait que je file pas le reste. C'est ça le problème, je pense. Moi, c'est le contraire, c'est que je regarde les choses upscalées, pis versus la CRT, pis je trouve. Ok. Je suis pas. C'est pour ça que j'ai pas d'OSSC, j'ai rien encore. Ben, continue sur CRT à ce moment-là. J'ai une 32 pouces, c'est ça que je fais pour l'instant, mais éventuellement, on s'entend là, que ça prend la moitié de mon sous-sol, juste la CRT, là, fait que je vais vouloir passer à quelque chose d'autre. Mais non, j'ai pas l'œil dans l'autre sens, moi. Je vois pas la grosse différence. Puis je regarde les affaires de GameStop, puis hey, t'as l'affaire, puis je montre le comparatif, puis je. Quoi de différence? Les comparatifs GameSack, des fois, pas GameSack,
c'est plus Minecraft gaming que. Des fois, t'as tellement comme d'informations. Mais GameStack aussi en fait des comparaisons. Mais Minecraft gaming sont vraiment forts, des genres three-way comparison. Puis c'est hot, mais t'es comme. Tu cherches. Qu'est-ce qui est différent, c'est parti, trop tard. Fait que là, tu recules, ça mais tu poses, mais tu supposes c'est de la merde, genre. Fait que t'es comme en deux frames. Fait que des fois, j'ai pas le temps C'est pas de l'animation. Ouais, comme justement dans Reroute, dans la review du Retro Things 5X, ils montraient, je pense, la différence de Chroma Sun Sampling. T'es comme. Au début, t'as comme un petit sentiment que ah, mais ça fait juste 4-2-0, tu sais. Puis là, finalement, ça change pas encore, finalement. C'est plus important pour un PC, là, le Chroma Subsampling. Je sais pas c'est comme, quoi, Chroma Subsampling. Je pourrais pas te l'expliquer là, mais c'est la manière comment. Ça, comment le Chroma et Subsampling. Ouais, mais ça. Chroma, c'est la luminosité. Non, le Chroma, c'est la couleur. C'est la couleur, ok. C'est l'huma, la luminosité, ben oui. Ouais, c'est ça. Le chroma, c'est la couleur. Puis, pour un PC, c'est important, par contre. Si ton PC, pour le texte, parce que le texte est anti-aliasé sur un PC, là, la technique qu'ils utilisent pour le clear texte, puis tout, ça, c'est pas en 4K. En chroma, ça s'implique 4-4-4, ça veut dire pas de compression, finalement. S'il y a de la compression dans l'information de couleur, man, ton texte va être moins beau. Là. Fait que c'est pour ça qu'à des fois, quand tu branches un PC sur une télé, c'est pas toutes les télés qui supportent justement le Chroma Sun Sampling 4-4-4 pis tu le vois là, tu fais comme ma télé en bas, c'est moins... ma télé comme ça. Comment ça c'est moins beau un PC sur une télé, mais ça cause de ça. Mais savoir vraiment ce que ça fait, que ça fait chaque le 4-4-4, 4-2-2, 4-2-0 là. J'ai déjà lu à un moment donné, mais je m'en souviens plus vraiment. Mais c'est juste vraiment, t'as vraiment des informations de couleurs qui sont. Quand c'est zéro, ça veut dire qu'il s'est drop carrément, là. Mais avec les deux autres channels, t'es correct. T'es capable de reproduire la couleur comme du monde. Juste, tu vas avoir des bouts qu'il faut manquer, c'est sûr. Mais quand t'as 95% des cas, c'est correct, t'sais. Je pense même les Blu-ray sont en 4. Je pense encodés soit en 4.2.0 ou en 4.2.2. Quelque chose de même. Fait que. Vraiment juste pour les PC que ça a beaucoup plus d'impact, là. Bref, donc fait que c'est la Retroting 5X. Elles sont venues en stock bientôt, 300$ US. Prochaine nouvelle! Donc un gros oui. Grosse nouvelle! Les chiffres, c'est crunchy. Donc, prochaine nouvelle, Terognon a fait un Terognon Direct le vendredi passé pour annoncer. On se demandait tout c'était quoi parce qu'il n'y avait pas vraiment. Faites de tease, non, rien. C'est ça. Puis ils font l'annonce, puis Jérémy dit c'est plate, Terognon, c'est cool, leur pas dit, mais. Oui! Il dit le Super SD System 3, il est out of stock, il est depuis un bout, puis il en revient pas en stock. Ouais! Je te clique pas la vidéo! Ouais, pas la vidéo, tu fais quand. Ok, ben là, il annonce le Super HD System 3 Pro. Fait que. Le nom t'es pas assez confusing de même, là. Ah oui, il faut racheter le HD. Il faut racheter HD puis Pro. Ah, ben c'est ça, pourquoi les deux? Ben oui! Pourquoi les deux? Les deux. Fait que donc, Terognon a décidé de sortir une mise à jour. Je sais pas si c'est peut-être là, c'est une révision ou c'est quand même un autre. SKU, genre. Ouais, c'est ça. Un autre modèle, genre. Ben, je sais pas qu'ils ont fait un autre modèle. Ouais, je pense. Moi, j'ai l'impression que c'est. Ouais, c'est censé être. Je sais pas si ils vont faire des SD, des Super SD, c'était une trop pas pro HD, là. Je sais pas. Je sais pas. Donc, ben bref, pour ceux qui l'ont pas, qui l'auraient pas, c'est une autre idée. Donc, la grosse feature, évidemment, à cause du nom, il y a une sortie HDMI direct dessus. Ça sort en 720p. Au lieu d'RGB. Avant, lui, c'était en Sky. Ben, non, la prise... Ah, t'es encore là. Une prise Genesis 2. Okay. C'est encore il y a encore la prise Genesis 2, ce qu'ils ont rajouté en plus une sortie HDMI. Okay. Ok, je pensais qu'il l'avait enlevé, ok! Non, elle est encore là, la prise analogique. Ok. Ouh! Ok! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas qu'il prend le scan RGB puis qu'il convertit en HDMI, c'est qu'il y a toutes les informations numériques sur le port d'expansion de la PC Engine / TurboGrafx 16 pour pouvoir reconstituer l'image parfaitement digitale. Je sais pas pour le son, j'imagine pour le son il fait de l'analogue to digital conversion. Mais pour l'image, c'est 100% digital. C'est, je pense que c'est 100% numérique. Fait qu'il n'y a pas de sillon analogique impliqué dans le sillon HDMI.
Je sais qu'il y avait déjà eu un produit japonais qui faisait une sortie 720p HD. Fait qu'il y avait déjà eu un truc préalablement qui avait fait ça aussi. Là. Fait que ça, c'est la grosse feature, c'est la grosse nouvelle du Super HD System 3. L'autre grosse nouvelle, vu que le FPGA est plus puissant, c'est qu'il émule le Super Graphics. Dans le, enfin! Dans le FPGA, fait que pour les 6 jeux de Super Graphics. Ouais, pis les publics domaines aussi. Ouais, il y a plein d'autres groupes notamment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être les 6 jeux officiels. Fait que donc, c'est ça, on n'aura plus besoin d'avoir un Super Graphics pour jouer au jeu de Super Graphics. Ville. Ce qui est vraiment cool. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, ben, vraiment cool. Vas-y, j'y pense à vendre tout le kit pour me racheter juste une petite PC Engine, soit blanche ou grise. Puis me racheter ça pour prendre beaucoup moins de place dans le setup. C'est clair. T'as quoi là présent? Et en plus avec le style Power Supply qui est custom, on va dire, pour le Super Graphics. Je pense que PC Engine peut prendre un Genesis Model 2. Je me trompe. Aucune idée. Je crois que oui, mais il faudra vérifier là, parce que ça ressemble à la prise en tout cas, mais. Ouais, je pense. Ben oui, je sais juste que j'ai goût de m'acheter ça pour réduire ça parce que c'est vide. Ouais, ça peut. Un PC Engine prend Genesis Model 1. Alors, ouais, ouais, c'est un 18 sur le côté, la PC. Je pense pas la première PC Engine, mais la Core Graphics. La PC Engine Core Graphics, il y a une prise 18 dessus. Mais je pense que la PC Engine, le premier modèle, je pense qu'il est juste composé de ORS, je me trompe dessus. Ben, je pense que Gretis, il parlait du Power Supply. Oh, Power Supply. Il parlait du Power Supply. Ah oui, ça marche avec un Genesis Model 1, ouais. Power Supply, ouais. Ouais, le choix, je pense. Et donc Master System aussi. Exact. Mais la prise vidéo, c'est ça, je pense. Et c'est un... Ouais. Vidéo, oui, c'est ça. La PC Engine blanche, elle est RF only. Et après, c'est les corps graphiques qu'ils ont rajouté. Okay. C'est pas un DIN 8, mais c'est un DIN 6, je pense. C'est un DIN 5 composite. DIN 5, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Qui sort du composite mono. Donc, exactement ce que Snake nous dit. On est confirmé par ça. Puis là, je pourrais dire juste un Power Supply pour faire mon NES, Super Nintendo, puis Engine. Genesis. Ben, Genesis, c'est modèle 2, pas Super NES. Pas Super NES. Super Famicom. Super Famicom. Ah oui, Super Famicom, ouais. Ah ouais? Ouais, ben c'est Famicom, puis Super Famicom, là, mais c'est juste pour. Trop de mots à dire. Fait mais quoi, ouais, non, ça m'intrigue. C'est intriguant. L'autre feature, il y a un port micro USB pour le développement intégré dedans. Fait que pour uploader des ROM direct dessus. Fait que évidemment, je pense pas qu'il va du live probing de la RAM en temps réel pour les streamers. L'autre affaire qui est vraiment un peu weird, puis je trouve que c'est comme du triple gros trip d'ingénieur, on peut loader des corps FPGA de d'autres consoles. Puis le proof of concept, c'est qu'il a fait un corps NES. Fait que tu peux jouer à des jeux de NES sur ta PC Engine. Oui, ben okay. Il existe des conversions NES PC Engine. Oui. Ouais, mais là, c'est pas ça. Là. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un corps NES qui run sur le FPGA. Fait que ta PC Engine sert juste comme de power pis de contrôle manette là au final. Là. Oh mais wow! Comme vous disiez, c'est un peu pour compétitionner le Master pis analogue pis ces affaires là. Tu sais, c'est comme quand tu jailbreak ton analogue ou ton Master ou pourquoi pas? Ce que peut-être la Pocket va faire, tu sais. Fait que c'est ça les grosses features. Autre pour la parasite FPGA. ça règle quand même la question de Nico tantôt. Tu sais, qui est comme moi, j'aimerais ça me lancer dans le Master, mais le Master il est plus là. Et là, il est pas disponible, je pense, là-bas. Puis là, faut que t'achètes plein de morceaux comme petite céramique. Fait que si quelqu'un qui arrive avec, hey, ben gars, il me semble une solution. Mais ça sera pas assez universel, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Je sais que tu fais rien, mais je vais complètement te contredire. Je pense pas la solution que tu dis. Parce que. Non, je pense pas. Déjà, parce que tu vas être limité par le port manette la PC Engine. Ah, clairement. C'est vrai que c'est sûr qu'il y a une manette 6 boutons là, qui aiderait un peu là, pour certains jeux, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu overkill.
T'aurais juste se concentrer comme. Hey, fais juste t'occuper de rouler des jeux CD, des jeux super graphiques, qui sont la meilleure image puis le son possible. Il n'y aurait pas plus de micro USB. Puis le port micro USB pour les développeurs. Ouais. Concentre-toi ouais. là-dessus. Là. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec le port micro USB à part l'eau des ROM, là? Tu vas pouvoir faire ouais. comme. Je sais pas, ça veut juste dire micro USB developer port. Ouais, on a pas plus d'informations que ça. Mais si je me fie justement à l'Everdrive N8 Pro, que j'ai essayé le port USB, c'est genre tu peux lister qu'est-ce que c'est la carte. Tu peux faire comme, tu peux uploader des runs direct dessus, puis c'est pas mal ça. Là. Mais tu peux pas voir la RAM, mettons, là. Non, mais c'est ça, j'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça, mais je l'ai dit justement, que j'ai l'impression que ça va être développeur only. Qu'on pourra pas lire la RAM en temps réel pour les streamers. Ça, je l'avais dit tantôt. J'ai juste manqué ce bout là. Sniff. Ça doit manquer. Donc, c'est ça. Fait que le. Je pense aussi que le PCB va être révisé un peu plus parce que pour ceux, comme nous autres, comme moi et Johnny, on était des early adopters. Ah oui. Nous autres, on a eu la révision 2, ou mettons 1.1, mettons, là, du board. Là. Ouais, des premières. Même à ça, déjà. Ouais, puis même à ça, tu sais, Francis a dû nous faire des modifs pour que le son puis la vidéo sortent plus clean. Fait que là, ça dit que c'est l'audio va être balancé avec l'aide de ND Fourier. Fait que ND Fourier, ça, c'est un projet open source pour matcher l'audio. C'est pour t'aider quand tu développes un produit ou un émulateur. Pour matcher l'audio, pour que ce soit plus proche de l'original, fait que ça analyse. Fait que ça fait des analyses de Fourier sur le son que ça sort, puis ça te montre les différences sur cette fréquence, si t'es proche, non. Fait que quand c'est dit ND Fourier Balance Audio, ça veut dire qu'en fait, si le claim est vrai, ça veut dire que c'est assez proche de comme que ça devrait sonner pour l'original. Il y a quelqu'un qui va le confirmer, mais que ça sorte. Ils ont précisé, non, ça c'est sûr et certain. Ça sera pas long. Comme Bob va s'occuper de ça. Ah oh, oui, c'est sûr. Bob de Retro RGB va checker ça pour nous. Ils ont dit que c'est censé matcher une PC Engine Core Graphics avec un Super CD-ROM 2, je crois. Ouais. Ils ont choisi ça spécifiquement. Là, t'as comme pas le choix de prendre. Si t'as le matos original, tu pourras faire ta propre comparaison, voir comment ça marche avec le ND Fourier. Mais bon, je pense que ça va être clean. De toute façon, je vous dirai ça, le mien est commandé, donc. Ah, tu l'as acheté tout le Super HD System 3? Ouais. Nice. Cool, je vais pouvoir voir ça. Ben, c'est le prix est quand même pas si pire. Ben, c'est-tu un panel? C'est quoi le prix de la différence entre l'original? 2,32 euros versus 182. Ouais, mais ça, c'était le dernier prix, ça. Ils avaient fait une baisse de prix à la fin. Au début, je pense que c'était 200 euros. Plus cher. Je pense que c'était 200 euros, si peux-tu? Ouais, début, oui, ça ouais. Après, ils ont fait une baisse de prix. Puis après, ils l'ont comme discontinued un peu. Là, il était tout le temps en stock. Celui-là est un peu plus cher, mais c'est pas énorme. Puis, ouais, il est pas plus cher. Mais considérant que si tu sauves une prise d'une super graphique, puis ça sent HDMI. Ben, c'est ça que je me dis. Moi, c'est le HDMI, puis la super graphique, en fait. Je peux enfin dire, je peux jouer à tout. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en débarrasse. Fait que je sais pas si tu peux mettre un jeu physique de Super Graphics dessus. Ou je pense que ça va juste marcher avec les ROM. D'après moi, ça va juste marcher avec les ROM. Ouais, d'après moi, c'est ça. Oh oui. Ben, moi, je trouve que ça. Moi, je vais rester avec le Super SD System 3. Je trouve qu'il y a pas assez de trucs qui valent la peine pour updater. Là. Comme le sortage d'Amy, je m'en fous. Super Graphics, mais il y a un core dans les Mister. Comme pour 6 jeux sérieux, là. On va laisser faire. Ouais. Puis, les 6 jeux sérieux, ils valent pas tant la peine que ça. Là. Ben, à part. Il y a un port de Ghost and Ghost qui est meilleur. Ok. Ah, puis t'as un 1942. Correct. Non. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas tant la peine, je trouve, d'après. Fait que c'est ça pour le Super HD Season 3, grosse annonce de Terrarium. On s'attendait à. On savait aucunement. Le monde, je suis que Dominique Bourret, Papa Cassette, m'a poké avec. Tu penses c'est quoi? J'en ai aucune idée, mon gars. Comme... On avait dit que ça serait peut-être un ODE pour Play 2. C'est ce qu'on avait spéculé. Parce que c'est ça qu'on sait.
Moi, c'est ça que j'aimerais pour vrai, là. Qui marche. Moi, j'aimerais mieux. J'aimerais mieux un ODA CDI. Je pense qu'il y a juste toi et puis Audi, man, de Digital Front View qui serait d'accord avec toi, man. Genre c'est de joke qu'il fait. Déjà, hein? Il me semblait que ça existait, non? Non. ODA pour c'est le CDI. C'est la 3DO, je confonds. C'est la 3DO, ouais, j'ai 3DO. 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 J'ai 3DO. Puis, CDI. Je sais pas, moi j'ai. Il n'y en a pas eu un, me semble. Ah, parce qu'il y a tellement de modèles. Bah, la 3D aussi, il y a plein de modèles, fait que ça, c'est pas la même affaire. Il y a ouais. Tu sais, le Phantom Martin a un, là. Fait que... oui. Le PS2, il y a d'autres manières aussi. Il y a peut-être d'autres manières de d'ODE. C'est juste, c'est pas un truc built-in. Ah, c'est ça, c'est juste la 3DO, en fait, que j'avais vu, là. Ben, je te dirais PS2, je dirais pas non. Moi, j'ai un truc qui marche à Slim, là. Je serais partant, Chris, là. Je dirais pas non. Ça serait tellement le fun. Tu sais, PS1, ça existe. Puis il y a déjà plusieurs modèles. Tu sais, le Téterognon. Il y a trois solutions. Téterognon avec le mode qui est comme un peu. Faut que tu modifies ta machine. Mais les trois, faut que tu modifies ta machine, les deux. Ouais, c'est ça. Importe. Le X-Station. Qui est la meilleure. Qui est le meilleur. Le PS.io. Que lui, c'est, ça se branche sur port parallèle. Mais faut quand même que tu fasses une modif à l'intérieur. Tu sais. Qui est beaucoup moins épais que le X-Station puis le mode. C'est plus de levage de pattes puis de la soudure en masse. C'est-à-dire le PSRE est plus simple à installer, c'est ça que tu veux dire? Plus simple, ouais, mais pas 100% compatible. Ouais, c'est ça. Il... Et il y a ça. Parce qu'il paraît que le X-Station est assez tricky à installer. Là. T'as plein de petites pattes de plein de boucles plus à soulever. Ouais, c'est, je pense que c'est ça. Tu confirmes, c'est pas. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, c'est parce que le contrôleur de CD est carrément sur la carte mère de la PlayStation, en fait. Pour des raisons de copy protection et tout, Sony l'ont mis direct dessus. Alors c'est pour ça que tu peux pas juste enlever le lecteur, là, comme un GD-ROM, là, t'enlèves le lecteur, tu branches un autre, puis ça marche. Là, t'es obligé de jouer sur la motherboard avec le contrôleur CD pour enlever la protection. Donc, ouais, c'est des toutes petites pattes. Très... Faut être bon dans la soudure, quoi. Il recommandait pas de. Il recommandait de trouver un modeur professionnel, là, me semble. Ah, tu veux pas scraper ça, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. On sait pas ce que Stéréagnon va nous annoncer prochainement. Je pense qu'ils ont abandonné l'idée de faire une cartouche flash Super NES. Il avait déjà commencé à poser des questions. C'est comme, si on sortirait une cartouche flash Super NES, c'est quoi les features que vous attendez? Puis tout le monde était comme, ben c'est parce que la FX Pack Pro ben, fait déjà la job, là, comme, il y a pas vraiment plus de features. Puis il y a plein de monde qui est un peu malé, que, on veut des safe states. Ben, il y en a, c'est la FX Pack Pro! Ouais, mais tu sais, ça marche pas. Ça marchera jamais. À 100%. Comme le monde s'attend. Ça marchera pas comme le monde. Ok, excuse. La seule manière que ça pourrait marcher, c'est comble, là. Ça serait que la flashcard roule encore un core SNES au complet avec tout réimplémenté dedans. Puis que la SNES, ça sert juste de host. Tu sais, c'est con, là. Tu sais. Chez Kikari, lui, parlait de réimplémenter juste le audio, juste le SPC 700. Ça se ferait? Ben ouais, il y a la place pour là. C'est pas tant une question. Parce que lui, c'est pas tant une question de place que. Le problème, en fait, pour les. Tu peux dire à la console, tu sais. T'es-tu capable d'être jacké et dire, ben non, mais ton processeur radio, il est là, tu sais. Parce que le problème des safety sur Super NES, c'est ça, c'est que le processeur radio, il est totalement en isolation. C'est ça. Sur le boss, fait que. Le seul truc de communication, c'est 4 ports avec. Fait que t'as aucune manière de dumper la RAM du SPC700 sur le... Tu peux le faire avec le... Tu peux dumper la RAM au complet de la machine, tu sais, le PPU puis le CPU RAM. Mais l'audio, man, c'est tellement isolé que, man, oublie ça, c'est une black box, là. Fait que c'est pour ça que les safeties sur Super NES, c'est compliqué, puis... Tu sais, ça se fait, là, mais justement... Quand tu vas sur l'autre assez style, mais là, le son, il sera pas là, pis... Tu sais, c'est... Fait que le monde demandait le safe state, comme, je pense, en s'attendant sur pareil consommateur, mais non, mon gars, man.
Non, ben, en parlant de safe state, le Mr. Ness a maintenant des safe state. Ouais, ça commence, là. Commence à avoir des cœurs qui ont des safe state, là. Ah ouais, Game Boy Advance aussi. Quelle c'est console? Ouais. Game Boy Advance. Ah ouais. Mais il n'y avait pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de limitation technique pour que les Core Master aient pas de safe state? Non, je pense que c'est juste parce que personne ne l'avait fait. Ok, c'est ça. Mais il n'y avait pas de limitation. Non, je pense que c'est juste parce que personne l'avait fait. Mais sinon, tu sais, quand les autres features pour le flashcard Super NES qui manquait, tu sais, il y avait le Super Game Boy. Mais là, après, il y a quelqu'un qui l'a fait. Fait que là, comme. Puis je pense que ça s'en vient dans un framework officiel, je comprends bien. Ça serait le temps, là. Ben, j'aimerais bien ça, ce serait le temps, parce qu'à date, c'est tous des frameworks un peu... C'est ça. T'as l'USB dans le bord, t'as le Super Game Boy dans l'autre bord, il y a du monde qui ont fait, je pense qu'ils l'ont mis ensemble. Un match, ouais. Là, t'as les safe state bêta d'un bord, ça c'est correct, ça va rester... Parce qu'il y a rien que le USB. Mais ça, le USB et le Super Game Boy sont ensemble. Ben, c'est un autre branche. Ouais. Non, je pense Save State, Game Boy, USB sont ensemble. Ma soeur, ouais. Je suis sûr que oui. Puis c'est. Je pense que c'est Red Guy en plus qui l'a sorti. C'est qui Red Guy déjà? C'est le gars qui a implémenté le S101 pis le Super FX. Ah oui, ok. Right. C'est comme lui qui a implémenté tous les derniers chips vraiment durs comme personne voulait faire. Ouais, ok. Ça date de quand même couple de peut-être 2 ans. Alors c'est. Je pense que c'est pas parti pour que le firmware officiel ait le Super Game Boy, mais je pense que l'USB s'en vient officiellement. Dommage, parce que ça, Gary, il a posté un update au mois de mai. Puis, c'est ça qu'il a l'air de dire. Fait que je sais pas si. Est-ce qu'il va merger le reste. Moi, j'espère que dans son intérêt, il est mieux, pour vrai, là. Parce que savoir le Super Game Boy dedans, à built-in, c'est vraiment fucking nice, là. Bref, on va passer à la prochaine nouvelle. Il y a Taito qui a annoncé. Qui est rentré dans la folie des mini-arcades qui est au Japon. Hein. Qui a décidé de sortir une mini Taito Egret 2 Mini. Fait que Taito Egret, c'est pour ceux qui connaissent les arcades japonais qu'on appelle en Amérique du Nord, les Ken. Ben, je sais pas s'ils l'appellent là-bas aussi, mais des Candy Cab. Il y a plusieurs modèles connus. Tu sais, il y a le Sega Astro City qui est le plus célèbre. T'as le Sega Lunette City. T'as le. Konami qui a des modèles aussi, Taito qui l'a fait justement, puis Egret. C'est pas un Egret toi justement? En moi c'est le Konami. C'est un Windy toi. Windy 2. La belle Windy 2. Ça je suis content de l'avoir pareil. Là. Ouais. Malgré que c'est pas une Egret. Taito, tu sais, ils avaient leur propre Candy Cab. Fait qu'ils ont décidé de sortir un mini modèle. Puis la grosse fonctionnalité qui a distinct des autres, c'est qu'ils ont rajouté l'écran qui se retarde pareil comme sur une vraie machine, tu sais. Parce que une vraie machine, faut carrément que tu sors le gros moniteur vraiment lourd pis tu le tournes de bord, là. Comme Jérôme peut vous. Ouais. Ben, moi, Jérôme, c'est le même principe. Jérôme, toi, c'est quoi que t'as? C'est un Egret, tu penses que t'as? C'est un nom. C'est un Blast City, tout là. Ouais, mais sauf que la particularité du Egret, c'était que le moniteur, en fait, il est sur un vérin, donc t'as juste à ouvrir l'avant de la machine, tu le sors, et après, tu peux le faire tout seul, tu retournes ton écran, puis tu le repousses à l'intérieur, puis c'est terminé. C'est vraiment plus facile que les autres, finalement. C'est beaucoup plus facile que les autres, mais c'est quand même un peu touchy, parce que des fois, ça marche pas bien, le système, puis c'est compliqué, là, si ça pète. Mais pour les autres, en gros, t'as quatre grosses vis et puis tu dois être deux pour soulever un écran qui pèse à peu près 40 kilos, puis le retourner, puis le remettre sur les vis. Moi, je le fais tout seul. Crée-moi que c'est rough en tabarnak parce que c'est pas recommandé. L'écran est pas lourd. Faut t'aille au bout de tes bras. Puis là, tu te revires un peu, puis là, t'es comme. C'est ça l'affaire. C'est rough. Puis, si ça serait pas au bout de mes bras, ça serait plus simple. Là, t'es tôt.
c'est gros, c'est lourd. Mais... Donc, c'est ça. La liste. Genre, peux essayer de trouver la liste de jeux qui est supposé se coucher avec ça? Je peux te l'envoyer lié. Mais je pense que je l'ai posté dans notre... Ben, je vais le mettre ça dans... Ah, parce que je l'ai ouvert sur un autre, dans une autre table, sur, pas sur le bon moment. Donc, ah, es-tu là? Ah, je l'ai là. Donc, okay, la liste de jeux annoncée... commencer, il y a Space Invader, c'est Taito qui a fait ça. À vertical, Lunar Rescue, Quix, avec, j'imagine, je sais pas si c'est Kix, j'imagine c'est ça. C'est à vertical, Kix? Oui. Kix, ouais. Ouais. Ok. Ouais, ok. Elevator Action, Check and Pop, Bubble Bubble, Raston Saga, Rainbow Islands Extra, New Zealand Story, Dodon Kodon, moi c'est quoi? Violence Fight, Kadash, Liquid Quid Adventure, Metal Black et Kaiser Knuckle. Puis t'as une expansion qui est Trackball, qui est Strike Bowling, Arcanoid, Plum Pop, Civalion, Camel Tree et Arcanoid Returns. Ça, c'est fait le fun Arcanoid. Ouais, avec la Trackball Expansion, fait que j'imagine que c'est pas de base, si je comprends bien. Non, je pense que je l'ai joué à part. Moi personnellement, je vois la, tu sais, comme j'ai vu le, tu sais, j'ai vu la device. Tu fais comme, hein, c'est bien hot que tu puisses tourner l'écran, tu sais. Fait que Jérôme, c'est le montrer. Jérôme essaie de montrer quelque chose, hein. Je sais pas si. Oh, c'est quoi ça? Okay, c'est mon pad arcade aux couleurs de la Taito Aigret B. Nice. Je sais pas si on peut le lire, mais. Ouais. 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 C'est, ça, c'est juste pour le monde qui va regarder le streaming sur. Sur YouTube, par contre, là. En vidéo. Ouais. Sur YouTube, ouais, ça va être correct. Ouais, sur YouTube. C'est le thème de couleur de la Taito. Et pour ceux qui nous écoutent seulement en audio, ils verront pas, par contre. T'sais. Ah, j'ai compris, ok. Oublié. J'ai compris, pour ceux qui vont regarder sur YouTube, ça sera pas... Ouais, c'est j'ai mal exprimé. Non, c'était nous qui l'a mal exprimé. Fait qu'au début, j'étais comme... Ah, c'est bien hot, l'écran peut tourner, tu sais, peut tourner comme si c'est une vraie machine. Là, j'ai vu l'âge de jeu, pis j'étais comme... Bien. Mais c'est une liste partielle, hein. Il y a 40 jeux qui vont venir built-in. Ils en ont juste annoncé une quinzaine. Plus, il y a une expansion de 10 jeux que tu vas pouvoir acheter sur une carte SD à part. Ok, là, ça vient. Ah, ouais, ok, ça va. Fait que moi, j'ai l'impression que les bons titres vont attendre un peu plus tard avant de les sortir. Ok. C'est mon impression. Parce que présentement, tu sais, les titres qui sont les jeux qui sont en vertical, tu sais. Mais c'est les vieux, hein. Ils ont sorti comme de 78 à 94, je pense, les titres. Moi, j'ai l'impression que les prochains, ça va être comme les plus récents, un peu, là. 90-2000. Ouais, c'est ça, tiens. Mais c'est excessivement cher, pareil, là. Oui! Je pense qu'il y a 18 000 yens ou 20 000 yens, qu'on disait tantôt. Ça, c'est juste l'unité de base. Après ça, les contrôleurs, si tu veux le trackball, je pense qu'il est 12 000 yens, juste le trackball. Un deuxième manette ordinaire, c'est comme 8-9 000. La petite manette dédiée, c'était comme 3-4 000. Fait que le Golden Pack avec tout ça, avec l'expansion, je pense que c'était comme 45 000 yens, qui est l'équivalent d'à peu près 500 piastres canadiens. Ouais. Là. Plus que les shippings. Environ, ouais. C'est fait pour le marché japonais, là. Ouais. Mais ça va dépendre des jeux, comme tu dis, mais c'est une belle machine. Je pense que c'est Jérôme qui disait ça avant le jeu. C'est probablement la plus belle des mini qui ont sorti à date. Oui, c'est une belle. Ouais. C'est un beau bibelot, mais. Cher. C'est cher. Tabarnak, qu'est-ce que c'est? Là? Oui. Ça pas autant la. C'est ça, comme la pile, tu sais, comme. Tu sais, quand l'Astro City est sortie, la sortie du mini, t'es comme. Oh shit, ok, là, c'est l'Astro City, c'est juste Sega. Puis tu sais, y'a pas, c'était. Il manque, tu sais, parce qu'il n'y a pas le wall factor, même si on s'entend, la Taito Aigret 2, c'est un si bon handicap. Mais on dirait qu'il n'y a pas cet aura-là comme wow qu'il y a eu, comme autant que Neo Geo. Ouais. Ou là, l'Astro City, tu sais. En fait, c'est drôle parce que c'est l'histoire de l'Aigret 2, déjà, c'est super niche, là. Mais les jeux qu'on se souvient le plus sur une Aigret 2, c'est pas des jeux Taito, c'est généralement des jeux cave qui roulent dessus parce que c'est le top. Et c'est à ça que t'as envie de jouer sur une Aigret 2 et pas forcément au jeu de Taito. Donc, ah ben oui! C'est ça qui est un peu dommage. Là. Mais je suis sûr que les gars vont craquer ça et faire autre chose dessus. Mais c'est ça qui est cool parce qu'il y a une expansion d'une carte SD. D'après moi, s'il y a Act, tu vas pouvoir mettre n'importe quoi dessus là, avec une carte de ROM
Ça peut devenir une vraiment une petite console d'émulation vraiment cool. Ah, si ça se fait craquer, évidemment, ça, c'est pas garanti que ça va l'être. Là. T'as mis des bonnes chances, on s'entend. Oh, des bonnes chances. Ah non, mais ça, c'est clair. Là. Peu importe la machine, quelqu'un va s'essayer de l'ouvrir. Là. Ça, c'est garanti. Là. Yeah, il y avait la Game & Watch de Nintendo qui s'est fait hacker. Ça a pas pris de temps. Non, mais c'est ça, c'est comme... Ceux qui aiment ça, hacker des machines hardware, les autres, ils font pas ça pour me pirater et pour me prendre des ordinateurs. Non, ils font juste ça pour le trip, comme « Ah, j'ai réussi à comme hacker la machine. » Le challenge. C'est juste pour le challenge, ouais. Comme « Ah, j'ai réussi. » C'est juste... Ouais. C'est juste qu'après, le monde, les pirates, le monde où prend ces travaux-là, puis là, ils continuent à travers ça. Mais tout le monde qui a comme, qui a hacké la Xbox 360, la PS3, leur but à l'origine, là, c'était pas comme « Ah, moi, je vais pirater des jeux, je vais faire des bombes. » C'est comme « Ah non, j'ai juste comme pété la sécurité de la machine. » C'est ouais. Juste ça qu'ils géraient à la base. Là. Ouais. Puis Sony donne de l'argent pour ça en plus. Ouais, quand tu reportes des failles de sécurité, là. Pas quand tu pètes la sécurité au complet de la machine. Ben non, tu t'as. Non, c'est sûr, mais si tu trouves une faille, ils donnent de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tu pètes la sécurité de la machine, je pense qu'ils vont plus envoyer les feds sur toi, le FBI et la CIA contre toi. Là. Ouais. Puis une armée d'avocats, tu sais. Ah, ça oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui ça leur intéresse, il va y avoir une Taito Egret Mini. Bel objet de collection si vous avez un peu d'argent à flamber. Eh. Donc, prochaine nouvelle. On a parlé un peu du Mister durant le show. Il y a toujours des corps en développement. Puis le dernier qui est sorti en bêta récemment, qui est très intéressant. Très intéressant, c'est le corps pour la Wondrous One. Parce que la Wondrous One, pour rappel, c'est une machine sortie par Bandai au Japon pour concurrencer la Game Boy et la Game Boy Color. C'est sorti un peu en 98-99, je me trompe-tu? Je pense que c'est en noir et blanc, sorti en 98, puis la Color en 2000. Mais Nico va pouvoir me confirmer ça. T'as checké. Ouais, je vais aller voir moi aussi, mais de mémoire, c'est 99. Je sais que la Swan, c'était 2002, fait que... Ouais. La Crystal, la Swan Crystal? Ouais. Ouais. Fait que ça veut dire que l'autre, c'était probablement 2000, puis je pense que c'est un an avant, fait que ça doit être ça, 99. C'est ça, la première Wondrous One a été co-développée par Gunpei Yokoi. Ouais. Quand il a quitté Nintendo en 97... ou 96, je me sais plus. Puis il est décédé. Juste après le désastre du Virtual Boy. Ouais. Voilà. Ah oui, merveilleuse console. Ouais. Damn. Ouais, c'est ça. Malheureusement, comme Yoko qui était décédé en 97 après un. Je vais dire un accident de voiture, mais c'est plus qu'il était sur l'autoroute, il est sorti de sa voiture, puis il y a une autre voiture qui l'a frappé. Là. C'est plus ça l'histoire. Là. Ah ouais. Je savais pas que c'était comme ça que c'est. Ouais. Bon but. Ah, il y a des conspirations là-dessus. Des théories. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah parce qu'il y en a plein qui disent que c'était pas vraiment un accident, puis que c'était fait. Tu penses qu'il y aurait des yakuza impliqués là-dedans avec. Ah ouais! Mais c'est ça, c'est pas étonnant qu'il y ait des yakuza impliqués dans des compagnies du Japon, là, Kyoto et tout, là. Je serais pas surpris. Après, cette histoire-là en particulier, je sais pas, mais il y en a plein qui disent que si, en fait, comme quelqu'un aurait bricolé sa voiture pour qu'il soit en panne sur l'autoroute, qu'il sorte, puis que là, il y a quelqu'un qui arrive au bon moment pour... Mais après, voilà, c'est comme tout. Ah, c'est tiré par les cheveux, mais... Les théories du complot, là. Oh ouais, c'est ça! Mais on sait pas, tu sais, on sait jamais, ça... Ça pourrait être bien! Dans ce genre de théorie-là, tu sais jamais, tu sais. Ça, je veux dire, c'est tiré par les cheveux, mais... On dit que de Hollywood, mais ça pourrait être vrai, là. Mais, tu sais, quand tu considères, tu sais, c'est vrai que la Yakuza ont des influences sur plein de compagnies qu'on sait pas, là. Ah, ça, c'est exact, clair. Exact, mais c'est comme la mafia aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, puis en Russie, c'est juste de Montréal. Ouais, c'est ça. Straight up. Ouais, la Russie, c'est une autre histoire. Fait que j'ai pas plus d'infos, je sais même pas qui le développe, ce corps-là. T'sais, j'ai vu ça passer, j'ai vu certains de mes comptes qui commençaient à le tester. Puis dont un qui confirmait que c'est la LG CX
il supportait le taux rafraîchissement natif de 75 Hz. Nice! Je savais même pas que c'était 75 Hz comme taux. Ah, fait que ça explique pourquoi c'est smooth de même. Ouais. Il y a quelque chose de très smooth avec le WonderSwan, ça doit être à cause de ça. Il y a quelque chose qui fait que t'es comme. Waouh, ça marche bien ça, même si tu vois rien encore. Là. Ouais, il y en a aucune qui est trop éclairée stock. Là, fou, ouais. Mais la Crystal, l'écran est très belle, même si elle n'est pas trop éclairée. Fait que, c'est vraiment beau. Là. C'est Crystal Clear. Ils ont bien choisi le nom. Ben c'est ça, sur le Mister, tu peux avoir un mode qui sort comme direct, là, direct. Qui fait pas de l'adaptation de signe pour que ça roule à 60 Hz, pour que ça fit avec l'HDMI. Fait que, donc, c'est confirmé par John Perry, c'est un YouTuber qui fait beaucoup de nouvelles sur le Mister, puis il y a une LG CX. Puis on dirait que les LG CX, il faut que ça supporte le Variable Refresh Rate du HDMI 2.1. S'il piche n'importe quelle fréquence de rafraîchissement, puis on dirait qu'il n'y a pas. C'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment nice. Ouais. Fait que, vous êtes aussi rajouté sur le corps WonderSwan? Ben, je pense que ça supporte juste le pas color pour l'instant. Non, il me semble que j'ai vu color dans l'image, moi. Je me trompe peut-être. Mais... Il y a tellement peu de différence que, d'après moi, c'est assez trivial de mettre. C'est comme même le Game Boy Color, c'est assez trivial de rajouter le support couleur. C'est pas si trivial. Il y a un peu plus de trucs impliqués pour le color, mais pas tant non plus. Mais je veux dire, une fois que t'as fait le core, là, t'as fait le gros de la job, là. Mais c'est ça, comme il y a un peu plus que juste racheter la couleur, tu sais. Ouais, il y a d'autres choses. Ce que j'ai compris. Ouais. Mais. Tu sais, c'est trivial. On a fait une color preview. Dans le sens que moi, j'ai aucune idée comment faire ça, c'est trivial, tu sais. C'est deux jours de plus de job. Je sais pas, j'essaie de me rappeler la vidéo sur Shanté de Monday Limited Gamer, pis ça avait l'air de plus que deux jours de job pour acheter la color pour vrai, là. Ah, non, justement, il me semble qu'il dit que c'est très trivial. C'est là, en fait, c'est là la dernière place. La dernière place, ouais. J'ai entendu. Ah ouais, on a racheté le color. C'est presque rien. Genre, il me semble que c'était lui qui l'avait dit dans son vidéo pour Chanter. Ouais. Chanter, c'est genre. Ouais. Hey, je vais être parti 30 secondes, je vais me chercher une bière. Correct. Fait qu'au pire, parce que je sais que l'autre news me concernait un peu plus, mais c'est pas grave. Je vais partir de l'autre news année, oui. Enchaîne. Ah donc, oui, oui, oui. Donc, c'est consuel, je trouve. Ouais, vous savez, au Chèque à cassette, on est très à cheval sur l'historique et la préservation. On aime bien ça. On trouve ça très important. Les développeurs, quand la Nintendo ont développé, ils ont rajouté la puce SR1, fait que le Super Accelerator 1, c'est ça que ça veut dire. Qui en gros, ouais. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, cool. Fait qu'en gros, la Super NES, ça, c'est elle qui est le même processeur que dans la Super NES. Presque, là. C'est le même, tu sais, mais clock cadencé à 10 MHz au lieu de 2.87 ou 3.22 selon la ROM que tu utilises. Ce qui fait que ça roule vite en tabarnak. Puis il y a d'autres fonctionnalités genre pour aider. C'est pas juste le tu crisses le processeur sur la carte pis c'est fini. Il y a d'autres fonctionnalités pour aider pour justement pour les jeux Super NES. Fait que Nintendo a fait une démo pour montrer justement les fonctionnalités de la SR1. Puis finalement, la carte a été retrouvée et le ROM a été dumpé. Johnny, est-ce que tu sais c'est qui a dans. Je sais que Luigi Blood il a capoté bien rare que ce soit sorti, mais je pense pas que ce soit lui qui l'a dumpé par contre. J'ai Forest of Illusion. Ouais. Mais. Non, c'est pas lui, c'est pas Victor. Non, Victor, c'est lui qui développe les hacks SR1. Ouais, non, lui, j'ai pas vu de nom. Non. Parce qu'à date, ce que je vois, c'est Forest of Illusion qui ont dit, ben, on a trouvé la carte. Puis que Victor, ben, il dit, ben, qu'il faut prendre ça pour acquis, puis ça pour apprendre, là, on va dire, mais. Comparer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, parce qu'il faut dire, c'est ça. Faut dire que les hacks de Victor, ben, tu sais, lui qui a fait le hack SR1 pour Gradius 3, Super Mario World. Ouais. Race Driving, c'est le jeu qu'il a fait, Race Driving, une espèce de jeu 3D. Ouais,
Race Driving, ouais. Ouais, c'est ça, puis ouais. Mega Man X, puis tout ça. Mais tous ces hacks, ils ont testé sur une vraie carte avec un SR1. Puis il s'est fait un. Il s'est pogné genre un. Mettons, un Mario RPG. Marde. Ben, ouais, c'est ça, un PGTO 96 ou un shoot de main. Exactement. Puis il s'est développé une death card avec ça, fait que ça roule avec le vrai SR1. Le vrai hardware. C'est ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Ça. Puis il va aller présentement pour divaguer un peu ce gars-là. Il regarde pour le Super FX. Puis il a reçu une death card de Super FX avec le 2, le 1 ou le 2. Ouais, le 2. Parce que lui, il pense qu'il serait capable d'accélérer un peu Star Fox. Oh! Oh, ça serait le fun! Sans overclocker, là, c'est ça. Ben curieux ce qu'il va faire avec ça, s'il va réussir ou non, c'est l'autre affaire. Là. Moi, j'aurais trouvé que c'est Bob de Retro RGB qui a fait le dump. Ah ouais? Carrément. Fait que c'est quelqu'un. Ça a popé sur eBay. Il y a quelqu'un qui l'a acheté pour Victor. Puis, comme c'est au US, Bob, il a dit, ben, je vais servir un intermédiaire. Puis, il a dumpé la ROM entre temps. Parce que Victor, c'est un Brésilien, me semble, je me souviens bien. Comment? Victor, c'est un Brésilien. Ça se peut. C'est un Brésilien, genre. Velella, fait que. Je pense qu'il a genre comme 24 ou 25 ans, là. C'est un petit jeune, là. Fait que peut-être que Victor l'a redumpé, mais Bob il avait essayé de le dumper. Parce qu'il y a un article là, sur Retour RGB. Puis il dit. Je l'ai dumpé, puis ça loadait pas là, sur Mr. ou FX Pack. Fait qu'il dit j'avais des doutes, mais c'est une affaire de header. Ouais. Fait que. Quand tu downloads la ROM, mais le zip, t'as deux sortes de ROM dont. Si je le lis en plus, je vais le downloader. Ou ce qui est. Ah, c'est pas très grave. Pas très grave. Fait que ce que j'en comprends, tu vois, c'est l'un qui. L'un qui est non touché, puis l'autre qui est avec un S1 header. Ah, c'est ça. Ok. Fait que t'en as un qui c'est comme carrément le raw dump. Ouais. Qui est important pour la préservation. T'en as un qui est pour toucher up l'entête interne dans les rounds de Super NES. Qui va à la fin de la première banque. Où ce que tu sais justement l'adresse du. L'adresse du départ, le reste qui a du corps quand t'as une interruption, des choses de même là. Mais là-dedans, il y a un header. Intéressant. Ben c'est toutes les démos de Future Synthé, la S1 là. Oui. Ben, la démo qui envoyait au développeur pour. C'est la démo qui envoie au développeur, c'est comme check. Regarde ce que ça parce que là a fait, man. La vidéo était vraiment écœurante, la démo, j'ai fait. J'ai même pas regardé pour vrai, je fais check ça. Moi, je peux aller voir non plus, là, on en parle, je peux aller voir du tout. Ah, moi j'étais à voir, là. Je peux. J'ai fait comme, ah, c'est cool, tu sais. C'est cool pour la préservation, juste s'arrêter là. La vidéo pour les intéressés. Ben oui. On écoute tout ça après le choc. Bon, je l'ai déjà vu, ça dure à peu près deux minutes max. 2 minutes 47. Bon, c'est sûr. J'écoute un peu à fast forward, là, mais. J'ai mis ça dans mes watch later. Le truc des Kirby qui affiche à l'écran, t'es comme. Tu vois tout le taux genre de rafraîchissement du CPU, on va dire. Puis j'ai fait tabarnak, ben voyons donc. C'est ça, Super NES, t'as deux vitesses du CPU. Fait que ça roule à 200, à 2.80 à peu près. Ou 3.2, genre. Je sais pas qu'est-ce que tu montres, Kevin, pourquoi? Je montre ce que je bois. Astro. Ah! Ouais, moi j'ai pris une 3 balles 2 prises. Quelle bonne bière! Je pensais qu'il y avait de quoi que tu veux te manquer, mon. Non, je montre toujours ce que je bois. Fait que si ouais. Je disais. Fait que ouais, c'est ça, là, c'est plus de base. Puis la majorité des jeux roulaient en ce qu'on appelle en illumination la slow ROM. C'est elle qui roule à deux. Parce que c'est selon la vitesse de la ROM, de la masse ROM qu'ils utilisaient. Puis la majorité de tous les jeux d'or jusqu'à, mettons, 94, c'était tout en slow ROM. Puis ça revenait tout à 2.80 quelque chose. Fait que, man! Fait que déjà, passer en fast ROM, là, tu prends le 3.2, ça roule déjà plus vite. Puis là, tu te dis, là, tu mets un processeur supplémentaire qui roule à 10 MHz, tabarnak. Là, ça veut dire que tu as deux processeurs qui roulent indépendamment. Puis il y en a un qui roule genre comme. Quasiment 3 fois plus vite, là. C'est ça, j'avais vu. Je pense que c'était Super Castlevania avec une face ROM. Ouais. Ça fait déjà une différence. C'est le jour et la nuit, là. Pis ça, c'est juste ça fait une différence, t'sais. Mais imagine avec la 101, tu sais.
Pourquoi il y avait des jus slow-rum, puis ça coûtait moins cher? C'est ça, ça coûtait moins cher. That's it. Fait... Ben, c'est ça, c'est la vitesse de la rhum, tu sais. Ouais. J'imagine que la face rhum coûtait plus cher. C'est juste... That's it, OK. Fait que tu faisais un choix. Il y avait... Ou c'est parce qu'il n'y avait pas de face rhum au début du développement du cycle de la business? C'est pas vrai. J'en ai aucune idée, pour vrai. Je me demande toujours ça. Je me demande toujours ça quand il sortait. Je suis comme, moi, pourquoi t'as pas face rhum au début? Ben, peut-être plus tard. C'était parce que ça coûtait trop cher ou que ça existait pas. Mais d'après moi, c'est parce que ça coûtait trop cher. Mais faudrait voir, tu sais, faudrait checker une liste. Faire une corroboration entre la date de sortie et lequel qui utilise des fast-rom, tu sais. Puis ça, c'est important parce que où est-ce que tu mets ton code en RAM, tu sais, c'est pas la même place en RAM. Une run fast-rom puis une rum slow rum là. Ça a quand même de l'impact sur le code, tu sais, au final, là, sur l'assembleur. Mais c'était aussi le SS qui avait des low pis des high rum, je m'en rappelle. Ouais, c'est pas. Okay. C'est une autre affaire. Ok, c'est parfait. Okay, c'est juste pour être sûr de différencier les deux. Mais justement, je pense que les fast rum, il y en a pas en 32 cas par banque. Je pense que c'est tout le temps 64. Parce que c'est selon où ce que. L'adressing mémoire sur Super NES, c'est un hostie de bordel. Au vrai, là. J'imagine. Parce que là, tu sais, c'est rendu. C'est, au lieu d'être 16 bits comme sur la NES, c'est rendu 24 bits. Fait que, tu sais, au lieu. Parce que sur NES, avec les mappers, c'était un peu ad hoc, là. Selon les mappers, ça impose ce que t'étais vraiment. Là, sur Super NES, c'est built-in, là. T'as des pointeurs à 24 bits. Le 8 bits plus haut, c'est tout le temps la banque où ce que t'es. Mais selon la banque où ce que t'es, là, il y a des places que t'as accès au registre, t'as accès à la RAM direct, mais là, il y en a que t'as accès au full space pour la RAM. Ah, c'est là, c'est de bordel, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, là. Ouais, j'en étais rendu compte de ça, c'était... Fait que là, selon si c'est ça, c'est une low rum, une high rum, là ça va pas en même place en RAM. Là c'est une slow rum aussi, c'est pour une fast rum, c'est pas en même place. Puis là, selon dans quelle banque que t'es, puis tu te laisses en mémoire, t'as juste accès aux 32, tu vois juste 32K de ta rum, même si c'est en 64. Fait que c'est pas le fun. Fait que ceux qui se demandent pourquoi que, hey, il me semble qu'il y a pas tant de homebrew de Super NES qui sont cool. Voilà. Et voilà. Pourquoi il y a autant. Puis là, la question, pourquoi il y a autant de jeux homebrew sur Genesis et sur Mega Drive? Ben, la question, la réponse est simple. Tu peux coder en C, puis c'est viable. Fait que, pas mal plus facile, puis c'est pas mal plus simple une Genesis à programmer aussi. Ben, le NES aussi, c'est plus simple. Ouais, c'est parce que c'est un peu plus simple, parce que c'est une machine plus simple. C'est une console 8 bits. Oui. C'est sûr que c'est plus simple. Fait que non, la Super NES, là, que j'ose même pas imaginer, man, le choc quand les développeurs ont reçu la doc technique. Là, que ceux qui s'étaient habitués sur NES, là, ils reçoivent ça, man. C'est comme 4 fois plus gros en complexité, là. C'est ridicule, là. Mais tout ça, là, tu sais, ces affaires d'adressage-là, compliquées, puis est-ce que ça découle du fait qu'ils voulaient que ça soit compatible avec la NES au départ, ou c'est juste le choix, c'est des choix techniques qu'ils ont fait qui sont pas reliés à ça, puis que c'est juste bizarre, genre. Dans le fond, j'essaie de comprendre pourquoi c'est compliqué comme ça sur la SNES. C'est-tu vraiment Je pense parce que le choix de processeur qu'ils ont fait. Ok. Tu sais, le 65816 qui est rétro-compatible 6502. Ça fait qu'entre autres, la rétro-compatibilité. C'est pour ça. Mais je pourrais pas te dire parce que j'ai pas d'autre expérience avec la machine que utilise d'améliorer le processeur. Fait que je sais pas, mettons par exemple, est-ce que sur l'Apple 2GS, c'est autant le bordel que ça, tu sais. Apple 2GS utilise le même le 65816 pareil comme le Super NES. J'ai ri parce que Pasnik qui disent que les Japonais sont pas les meilleurs à simplifier la vie. Non, effectivement. C'est un bon point, l'Apple 2GS. J'en ai aucune idée. Puis la même affaire, l'Apple 2GS, c'est le même genre de raison. La raison pour laquelle je choisis ce processeur-là,
C'est parce qu'il était rétro-compatible. Tu peux tout rouler la librairie d'Apple 2 qui 8 bits. Mais la. C'est ça. La Master Famicom, ils ont essayé de pas le faire pour plein de raisons. Ben, une des raisons, c'est parce qu'il y a beaucoup des jeux qui utilisent des opcodes illégales. Fait qu'il y a plein de jeux qui n'auraient pas marché. Entre autres, parce que vu qu'il y a plus d'opcodes sur 65-86, mais des places qui avant c'était des opcodes illégaux, mais là à cette heure c'est des opcodes valides, là ça n'a pas marché. Il y a plein de raisons là, puis là, je sais pas les raisons, on n'était pas dans le temps d'un meeting de deux ans qu'il y avait à cette époque-là. Mais bon, ouais, c'est. Il y a plein de raisons qu'on comprend un peu. Nintendo, c'est toujours de même, là. Comme. Pour vrai, là, c'est tout le temps. Hey, man, c'est tout le temps, genre, essayer de sauver le. Tu sais, comme. Juste sur NES, tu sais, updater la TAL map, là. C'est tellement compliqué, là. Parce que là, faut top. Tu sais, faut upload, là, le TAL que tu veux à un endroit. Là, si tu veux décider quelle palette utiliser dans un bloc de 16%, mais là, c'est une autre place dans RAM. Fait que là, faut que tu scrolles, là, faut t'obtenir la deux places différentes, mais il y en a un que c'est pas la même granularité. Il y en a un que c'est des blocs de 8 par 8, puis l'autre c'est des blocs de 7, de 32 par 32, tu sais. Mais pourquoi? C'est super. Sauver des coups, man. C'est tout le temps. Non. C'est tout le temps ça, man. Ou des fois, juste le trip de, comme, de faire le plus de choses avec le moins de choses possible. Steve Wozniak qui est un peu le même aussi, là. Et là, essayer de faire le maximiser le plus possible. Il essaie de faire le. Tu sais, comme l'histoire quand il a fait Breakout avec Atari. Là. Lui, son but, là, c'était d'utiliser le moins de chips possible. Peux comprendre. C'est ce genre de défi technique que tu te donnes. Là. Mm-hmm. Mais Nintendo, c'est toujours ça. T'sais, tu le vois, là, comme la. Il y a tout le temps les. La Super NES, ils ont coté le GB, sa deuxième révision. Ah là là. Ah oui. De Nintendo 64 qui ont pas d'RGB. Tu sais, il y a tout le temps des affaires weird, bizarres, là. On le lisait, hein, puis il fallait que tout le système fonctionne avec deux chips propriétaires puis pas beaucoup de RAM parce que la RAM, ça coûte cher. C'est un bon point. Ouais. C'est ça, la RAM coûtait. Fait que c'est peut-être pour ça, justement, qu'ils ont mis le truc d'attribution de palette. Par bloc de 32 par 32, tu sais, on sait pas les contraintes techniques qu'il y avait non plus. Fait que c'est ça. Ouais, c'est... Nintendo, c'est compliqué. Attendez ça. Ça allait encore. Tout est compliqué. Ouais, tout est compliqué. Putain, puis on parlait de Genesis tantôt. Il y a Retrobit qui a décidé de sortir une version licencée de Mega Man de Willy Wars. Ouais, en version physique. En collaboration avec c'est Retrobit qui manufacture et c'est Limited Run qui s'occupe de la distribution. Entre autres. Ah, je pense que tu peux acheter direct de Retrobit aussi. Peut-être. Mais c'est en collaboration avec Limited Run. Moi, je suis pas sûr si tu peux acheter Retrobit. J'ai pas réussi à comprendre ça. Je pense que Retrobit te ramène sur le site de Limited Run. Je suis pas certain. Pis, ça se peut que ce soit ça pour le dire là. Pour ouais. Puis je sais pas non plus s'il y a une version européenne de ça. D'après moi, non. Non. Bon. Fait que. D'après moi, non. Ben c'est ça. Donc, release physique de Wily Wars. Si ça te dérange pas, je reprends la news parce que c'est Megaman. Ouais, vas-y. Fait que Wily Wars, qu'on rappelle, n'était pas sorti en version physique en Amérique du Nord. Fait que t'es juste disponible via le Sega Channel, qui était le genre de service. Ouais, mais le plus proche qu'on peut comparer, là, c'est VideoWay, mettons. Les jeux sur VideoWay, affaire avec ta console Genesis, fait que tu te branchais par câble, tu pouvais downloader des jeux. La différence avec VideoWay, c'est que je pense que le jeu restait dans ta machine. Mais je suis pas certain. Je sais pas s'il était... Ben, tu connectais comme un... Oui, t'étais connecté par câble, ça tu downloadais le jeu, tu jouais. Mais une fois que t'étais dans ta machine, parce que tu sais, Ubi t'as fini. T'avais fini. Parce que ça s'appelait Ubi au Saguenay. Hein. Bizarrement, cette affaire-là. Hein. La version 2 de VideoWay, ça s'appelait Ubi. Fait que moi, j'ai connu Ubi. Fait que ça n'a aucun rapport avec Ubi. Et moi, c'est VideoWay. Fait que je vois. Ben oui, tu sais, il redownloadait pareil le jeu. Une fois que tu quittais le jeu, il flushait de la RAM, c'était fini le jeu. Ouais, exact. Là, je pense que le jeu était downloadé d'une façon que tu pouvais. Leur lancer sans leur downloader. C'était peut-être la seule différence. Fait que tu peux avoir peut-être un Sega Channel avec
la rhum dedans, pis c'est comme ça qu'ils ont réussi. Fait que, bref, il y avait ça. En Europe, c'est sorti sous le même nom, Wily Wars, version physique. Puis au Japon, c'était Rock... en Europe. Ouais. Puis au Japon, c'était Rockman Mega World. Fait que, version japonaise, version européenne, très similaire. À part que, tu sais, 60 heures, 50 heures. Si, par exemple, tu essaies de jouer avec une ROM américaine, c'est fucké parce que c'est pas la même RAM que pour le save. C'est pas du. C'est un EEPROM au lieu. C'est ça, c'est du EEPROM à place d'SRAM ou c'est du SRAM à place d'EEPROM. Je m'en rappelle jamais. C'est du EEPROM à la base. Ok, donc là, c'est du SRAM. C'est du SRAM à place d'EEPROM. T'as des patchs pour que tu reviennes SRAM, ça, c'est pas facile. Exact. Fait qu'en tout cas, cette ROM-là est pas très compatible avec les flashcards, etc., le Mega SG. Fait que c'était déjà compliqué d'y jouer quand même si on voulait jouer en version américaine, fallait la patcher. Là, on va avoir une vraie version physique, endorsée par Capcom, licensed, avec, en plus, c'est la version que... Maintenant, je cherche le nom de la compagnie. M2? J'ai-tu le bon nom? M2? Non, c'est quoi? M2 a pas rapport avec ça. Oui, c'est la Genesis Mini. Qui l'a porté sa Genesis Mini, c'est M2? Ouais, mais ils n'ont pas... Attends, non, c'est ça. Sa Genesis Mini, M2, ils ont fait des modifications. M2, ils ont fait des modifications. C'est pas M2, c'est RetroBits. C'est RetroBits direct. Ils ont engagé des... Sur la Genesis Mini. Non, mais y a-tu Megaman de Lewis sur la Genesis Mini? Oui, c'est ça mon point. Ils ont porté Megaman Wild Wars à Genesis Mini et cette version-là contient des fixes de lag. Moi, c'est pas comme ça que j'avais compris, pas en tout. Moi non plus au début, mais après, j'ai su que sur la Genesis Mini... C'est quoi ta source pour ça? Tout simplement les leaderboards de... En fait, j'ai su après, en parlant des runners, la version de la Genesis Mini, il y a du Reduce Lag dedans. Parce que quand quand tu lis ça sur le site RetroBit... Ouais, c'est écrit exclusif. Je sais. Non, mais c'est écrit qu'ils ont engagé des programmeurs. Puis quand tu checkes tes noms, là, moi j'ai vu des noms que... Ok, fait que ça sera pas la même... noms... Fait que ça sera pas la même version que t'as Genesis Mini. Ok, ça va être vraiment confirmé. Fait que ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que moi aussi, quand j'ai lu la news, je vais être « cool, du Reduce Lag puis des fixes. » Puis après, on m'a dit, ouais, mais ça a juste mini. Il y a déjà du Reduce Lag et des fixes, puis c'est M2 qui l'a fait, genre. Je suis comme, ah, ouais. Fait que là, après ça, puis les autres discussions que j'ai vues après, le monde disait, ben ça va être la version de la Just Mini, puis j'ai fait, ben ça a du sens. J'avoue ne pas avoir de confirmation de ça. Mais oui, sur la Just Mini, il y a du Reduce Lag. Moi, ce que j'ai compris, c'est peut-être l'émulateur qui rentre comme ça. Moi, ce que je comprends plutôt, que ça ressemble à des rumeurs de forum, genre style GameFAQs, puis c'est comme pas fondé cette affaire-là. Moi, c'est. Désolé, mais c'est comme ça que ça sonne dans ma tête. Je vais rechecker, je vais m'arrêter. Mais sur la Genesis Mini, il y a du Reduce Lag. Mais est-ce que c'est dans l'émulateur ou c'est dans ROM? C'est peut-être dans l'émulateur. Ouais. Tu sais, fait que c'est peut-être que c'est là que le monde se sont confused. Fait que bref, j'ai hâte de voir, parce que. J'ai joué à. Suite à l'annonce, j'ai joué à. Il y a Dan qui dit Ubi Power parce que lui, il sait c'est quoi Ubi, il était au Saguenay aussi. Fait que j'ai joué à la version originale, en fait, ça m'a. Puis, ah, si, il y a du lag, c'est débile, tu sais. Ça ruine l'expérience. Il y a du lag. Il y a du lag non constant, par exemple, dans le lead-up pour le dragon à Mega Man 2. Donc, il y a un dragon à un moment donné qu'on bat, puis il faut sauter de bloc en bloc. Pis il y a du lag quand tu sautes de bloc en bloc, mais genre, tu startes ton jump, il n'y a pas de lag, il y a du lag en plein milieu du jump, là, tu t'ajustes, là, t'arrives sur l'autre bloc, oh, il n'y a plus de lag, là, tu ressautes, il y a du lag, c'est atroce. Puis ça, c'est sans parler de la Wily Towers, où il y a du lag. Ouais. Le final boss, là, ça, on run probablement à 10 FPS. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment ça, dégueulasse. C'est tout fixé justement dans le release de Retro. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai commandé une copie, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai commandé une copie justement à cause de ça, parce que c'est pas la même. C'est ça. Parce que ça aurait été la même ROM que tu spawnais, je vais dire, oh, ok, là, fuck off. Je l'aurais commandé quand même, parce que c'est endorsé. Là. Tu sais, fait que c'est un release physique officiel. Là, en plus, t'as un bonus. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, dans le bundle, il y a plein d'affaires. Il y a des cartes. Mais bon. Pour Bon, c'est les Gugus pour toi qui est fan de Megaman en plus. C'est plus le release qui est cool que les Gugus qui viennent avec, là, on s'entend. Là. Je viens d'aller voir sur le site de RetroBit, ça peut être intéressant.
effectivement, North America, c'est les, parce que moi je l'ai commandé, les Limited Run, mais il y a un magasin au Canada qui le vend, qui est Castlemania. T'as arrêté là tout de suite, Nico. Hein? Retro Montréal va en avoir. Ouais. Ah! Mais bon, non, mais il l'a commandé. Non, ouais, moi je l'ai commandé, hein, c'était juste pour les gens, puis s'ils veulent sauver le shipping parce que c'est excessivement cher. Ouais, commander Limited Run juste pour une affaire. Là, moi je commandais d'autres affaires en même temps, fait que ça m'a pas dérangé. Mais ok, bah, si Retro Montréal en a, vous savez où aller checker. Ouais. Ça, je sais pas combien ils vont en avoir, là, mais. Allez coucher devant le magasin tout de suite! Puis je sais pas. Sur l'image, il y a un petit certificat que ça dit zéro. Ben, underscore pour qu'ils vont remplir la main off 4000. Donc, il y en aurait potentiellement 4000 copies. Mais en même temps, c'est un pre-order. Fait puis il semble pas avoir de limite nulle part dans ce que j'ai vu. Fait qu'ils vont peut-être en avoir plus ou moins, je sais pas, là. Moi, ça me surprendrait que ce 4000-là, d'après moi, c'est un placeholder. Là. Je le vois aussi, d'après moi, c'est un placeholder. Ils sont mieux pour eux autres, là. Ils sont mieux leur intérêt, pour eux. C'est ça, tu sais. Sinon, t'as un sticker collection, t'as un poster réversible qui va probablement aller direct ici, là. Il y a des bonnes chances qu'ils s'amassent un poster de Wily Wars ici. Oups, shit. Ça vient dans un case Genesis, évidemment, avec Lucy cover semble réversible. Je sais pas, je connais pas les deux images. Il y a une image qui est clairement l'image de Rockman Mega World. L'autre, je sais pas si. C'est l'image européenne, j'imagine. Il me semble qu'en Europe, c'est la même image, mais je peux me tromper. C'est peut-être l'image européenne, en effet. Puis, ouais, il me semble que j'ai lu tantôt que les box, des box arts, c'était le japonais ou l'européen. Ok, fait que ça serait bel et bien ça. Tu as des cossins, genre des cartes, puis un manuel d'instruction en couleur, ça c'est cool, encore d'autres cartes, puis c'est ça. Fait que c'est ça les cossins. Ben du cossin. Moi j'ai demandé, je pensais qu'il y avait une version. Le manuel, on s'entend que c'est bien. Ça c'est pas un cossin, tu sais. Ouais. Ben moi je pensais qu'elle allait avoir une version non collector, mais finalement c'est juste ça. Il y a juste ça, ouais. Ben je. Parce que quand je l'ai demandé à Tijo, c'est comme, hey, y'a-tu une version pas collector? Non, y'a juste la version collector. C'est comme, ok, bon. On va prendre la version collector d'abord, là. Mais il est pas si pire, là. Il est à 70 US, donc on parle de 90-100, là. Ce qui est raisonnable, pour vrai. Pour c'est nous correct, là. Parce que c'est déjà un. Oui, c'est correct. C'est déjà un jeu collector. C'est même prix qu'un jeu next gen, là. Bah, voilà. Voilà, tu sais. Je vais être bien content d'avoir ce jeu-là, enfin. Pour vrai. C'est dans ma collection qui est pas une repro ou une affaire comme ça. Ouais, ben c'est ça. Puis qu'il y a, en plus, qu'il y a des fixes. Parce oui. Qu'il y a, déjà, il y a le patch. Il y a déjà la patch de la SRAM pour se faire build. Justement, comme quand j'ai lu la. Tu sais, ils listent les noms dans la lance RetroBit. J'ai fait comme. Chris, me semble qu'il y a un nom qui me dit quoi. Je pense que c'est Midget, me semble, que j'ai vu dans la liste. Là, de RetroBit, là. Dans... pas dans la liste, là. D'ailleurs, là, je pense qu'on l'a pas dit. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi Mega Man Wily Wars? C'est un remake des trois premiers, donc 1, 2, 3, en plus d'un mode supplémentaire après qui s'appelle la Wily Tower. Puis ce mode-là, t'as trois Robot Masters avec leur stage. Puis ensuite, t'as des tableaux de Wily, un peu comme dans les autres, là, où t'as 4 ou 5 tableaux avec des refights de ces boss-là et des nouveaux boss. Donc c'est quand même un mode intéressant, honnêtement. C'est une bonne idée. L'exécution est wobbly. Des fois, c'est comme très bien. Des fois, c'est vraiment haché. La Wily Tower, ça? Ouais, ouais. Il y a des boss qui sont comme. Il y a un boss qui est très oubliable. Il y a un boss qui est comme correct, puis il y a un boss qui est vraiment de la barbe. Fait que. Ça dépend. J'ai jamais essayé à Wily Tower parce que tu subis trois jeux avant. Ouais, ouais, ouais. Au pire, je te passerai. Attends, tu as enlevé, pas qu'il avait enlevé ça, je me sens, genre, que tu pouvais y aller dès le début dans cette version. Ah oui, je pense qu'elle est ouverte dès le début, ouais. Ouais, en effet. Ça me dit quelque chose, j'ai lu ça aussi. J'ai lu ça aussi que la Wily Tower serait unlocked from the beginning, mais ça reste le même mode là. Donc le nom c'était pas Midget, mais c'était Mozilla. Puis quand tu cherches ça, tu tombes sur un compte. Il y a un compte sur romhacking.net. Ok. Là j'étais comme justement, il me semble que ça me dit quoi ce nom là. Puis quand tu cherches, c'est lui qui est l'auteur du hack pour la SRAM pour Mega Man de Wily Wars. Très cool. Est-ce que celui qui a fait les optimes aussi ou c'est d'autres personnes? Je sais pas. Faudrait savoir c'est qui. J'ai la liste aussi. Faudrait savoir qui est Kevin Vigil et Ryan Engstrom. Ouais.
À part les Megaman sur WonderSwan, il y en a-tu donc qui sont pas, qui ont pas été sortis en Amérique du Nord? Ça va combler un des gros qui a pas de release physique. Là, mais... Écoute, t'as Rockman, je m'en fous du nom, là. Il y a un genre de board game au Famicom. Qui lui n'est jamais sorti. Oh, ouais! Je pense pas, je pense pas que ce soit super. Vraiment n'importe. Je pense que c'est juste Rockman Board Game, quelque chose comme ça. Peux-tu? Rockman Board Game, t'as peu, là. Board Famicom, je vais essayer de le trouver pendant qu'on parle. Willy and Wright. Wright, c'est Dr. Light, là. Donc, Willy and Light, no rock board. Rock board, that's paradise. That's paradise. Exact. Mais c'est ça, c'est un genre de Mario Party de Megaman, yep. I guess. J'ai jamais joué. Faudrait que je joue un moment donné, par exemple, là, pour vrai. Là. Faudrait que je demande un Romac puis j'essaye ça. Là. Pour ceux qui se demandent, comme c'est bien bizarre, le That's Paradise. Puis là, je check ça à boire et c'est vraiment comme That's Paradise. c'est vraiment le titre. C'est vraiment ça qui est écrit, tu sais. Je pensais que c'était comme ceux qui se demandaient est-ce que c'est une tradition boboche. Non, c'est vraiment le titre qu'ils ont donné. C'est vrai, tu. Donc, il y a ce jeu-là. Ensuite, ce qui me vient en tête, il y a Super Adventure Rockman, qui était sur. Ouais, le jeu FMV, là. Ouais, sur PlayStation et Saturn, qui est un jeu FMV. Oh, ouais! Par ça, sur Neo Geo Pocket, t'as un port des deux jeux d'arcade. Power Battle. Ouais, qui s'appelle justement, je pense juste The Power Battles. Fait qu'il y a un S pour dire c'est les deux. Il me semble que c'est ça le nom. T'en as un, comme tu disais, t'en as un WonderSwan. En fait, t'en as deux WonderSwan. Ouais. T'as un Rockman and Bass 2 finalement. Ouais. C'est pas très bon, mais c'est un Rockman. T'as un nouveau Rockman and Bass. Rockman and Forte, pardon. Puis t'en as un sur WonderSwan Color, qui est un platformer, mais basé sur Battle Network. Là. Fait que je pense que c'est Rockman de EX. Mais ben, EXE, là. EXE. C'est Rockman de EXE Battle Network. Là. Ouais, c'est ça. À part ça, t'en as-tu d'autres qui me viennent en tête? Au PSP, t'as des ports des. T'en avais trois sur. Au PSP, t'as des ports des Mega Man Legends, qui était Rockman Dash. Ouais. Sur PSP, qu'on n'a pas eu ici. Tu dis qu'il y en a trois sur WonderSwan? Ouais, il y a Rockman and Forte, Rockman et X. Ah, il y a un Battle Network. Il y a un Battle Network proper. PWS. Il y a aussi sur PS1, il y a des releases de Rockman 1 à 6 avec des features en end. Je pense que t'en as une partie dans les collections au PS1, au PS2 ou au GameCube. Mais il n'y a pas toutes les features de ces les reworks. Ouais, c'est ça, les reworks sur PS1. Sur PS1, sorti. Les reworks sont pas exactement pareils dans les versions compilation. Et tu me fais penser. Tu me fais penser. Rockman Battle and Chase. Il y a Rockman Battle and Chase aussi. Ah, c'est vrai, le jeu de course. Je pense qu'il est dans. Au Play 1, puis à d'autres choses, je sais plus trop. Puis, ouais, effectivement, c'est ça. Je pense qu'au Play 2, je pense qu'il est dans la collection. C'est là que je m'en allais. Au Play 2, dans les collections, t'as Baton and Chase. Je sais plus lequel, là. Dans, je sais plus si c'est dans. Je pense que c'est PS2. La Legacy. Je pense que c'est le PS2. Je sais plus si c'est dans la classique ou dans la X. D'après moi, c'est dans la classique. Probablement. Puis, il y a une des deux collections au Play 2, au Japon seulement, mais pas ici, qui a les jeux d'arcade. En Eden, ils sont cachés. Là. Et t'as les jeux d'arcade, t'as des ports de jeux d'arcade que nous on n'a pas eu. Tant qu'ils sont là, c'est en version GameCube. Accessible, écoute, là. Gars, j'ai mêlé, là. Justement, c'est tellement mêlé. Je pense qu'ils sont accessibles, mais il faut des unlock. Il me semble que ça nous dit quoi, là. Fait que si t'as ça, c'est peut-être Battle and Chase que t'as pas, qu'on n'a pas disponible ici. Il y a quelque chose qui est exclusif à ces compilations-là. Qui sont juste au Japon. Je sais plus c'est laquelle. Peut-être que c'est Super Adventure Rockman, puis je m'en rappelle plus. Là. Ça fait longtemps. Puis, tu vois que Larry qui dit que selon Wiki, il y aurait un fighting game Neo Geo Pocket aussi. C'est les Battlers. C'est lui que j'ai parlé tantôt. C'est lui que j'ai parlé tantôt. C'est les Power Battlers de l'arcade. C'est pas d'un fighting game. Ah, ben, ok. Oui, ben c'est du one-on-one fighting, là, donc oui. Là. Ben c'est pas un fighting game. C'est one-on-one. C'est comme tu joues à Megaman, c'est one-on-one, mais c'est pas un fighting game. Ben, c'est pas un platformer non plus. C'est plus un fighting game qu'un platformer. Ben, ouais. C'est comme Power Battle. Mm-hmm. Mais c'est Power Battle, c'est ça? C'est un Power Battle. Porté pour le Neo Geo Pocket. Ok.
en style chibi, là, vu qu'ils ont pas le choix à cause de la pocket, là. Très bon port, ouais, à mon avis. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce port-là. C'est vraiment le fun. Puis en plus, l'Anjo Pocket avec le stick à micro switch, là. Yes. C'est vraiment, vraiment trippant à jouer à ça, pour vrai, là. Oui! Vas-y, Nico. Je confirme que sur Mega Man Anniversary Collection, là, t'as les deux Power Battle. Sur GameCube? Ouais. Ben, PlayStation 2 et GameCube Xbox. Ah ouais? Ouais. Il me semble qu'il y avait des bonus différents. T'as des bonus différents selon les plateformes, hein. Il me semble que c'était ça. Colin, il me semble qu'il y a quelque chose qui est exclusif à. Ben, sur PS2, t'avais des pilot épisodes d'un cartoon. Puis sur GameCube et Xbox, c'était un autre épisode, c'était G4 Icons, que je sais pas. C'était une entrevue avec Keiji Yafune. Et Xbox, t'avais aussi le premier épisode de Mega Man NT Warrior Anime. What? Ben, je me souviens dans le documentaire, tu voyais comme. Tu sais, comme G4 Fini, il vendait justement avec l'idée que Keiji Yafune c'était le créateur de Mega Man. Puis là, tu le vois dessiner Mega Man. Puis finalement, c'est pas vraiment lui. Ouais, c'est un peu sketch. C'est Akira qui. Ouais, c'est ça qui est amoureux. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens de l'avoir écouté. Genre, c'est mon ami qui l'avait là, sur GameCube, là, MLC Collection. Je fais comme, un documentaire, je l'avais écouté. Puis c'est comme. Puis tout le monde, c'est sûr que tout le monde pense que c'est Keiji Yafune le père de Mega Man. Ouais, T'sais, oui, il était là au Mega Man 1, mais tu sais, veux dire, qui a fait le design final animé, le sprite existait déjà. Là. Ok. Faut absolument que je prenne une pause, petit coin. Là. Faut absolument. De toute façon, on a fini anyway. Là. T'es-tu y aller de suite ou. Je sais pas, on avait-tu d'autres choses? Non, c'était ça, c'était le dernier. Enlever, c'était ça. Là. Ok, ben, je peux attendre. Tu peux attendre ta compte close. Je suis allé chercher la boîte de Neo Geo Pocket, mais c'était pas important. Non, c'est pas important. Oublier, c'est ça, faut penser aux pauvres monde qui sont en audio, qui n'ont pas de support visuel. Bon, mais ils iront l'écouter ouais. Sur les Twitch ou sur les YouTube. Ouais, c'est ça. Mais faut pas les oublier pareil. Ben non. Bref! Des news pis du blabla, on n'a pas de sujet fixe, fait que. On a fait 2 heures par C'est ça. C'est ça que je veux dire aussi. Bon. Donc, rejoignez-nous sur le serveur Discord. On est là, on est bien swell. Ouais. J'aurais peut-être juste une sorte. J'aurais une mini annonce primeur à faire, mais. Vas-y. Je serai invité au prochain épisode de Jouer Vite. Podcast sur le speedrun. C'est là que tu y penses. Là. Non, mais c'est parce que je voulais que ce soit à la fin de l'épisode parce que c'est pas annoncé. C'est pas comme pas annoncé, mais les gars ils s'en foutent. Là. Fait que y a rien annoncé encore, mais je vais aller voir les gars de Jouer Vite pour jaser de mon expérience de pick-up de speedrunning. Fait que quelqu'un qui avait jamais fait ça, qui pick-up de speedrunning, qu'est-ce que ça donne, puis genre d'évolution, comment tu peux évoluer mettons en 6 mois là, pour comme montrer que c'est pas si décourageant que ça finalement là. Ça a l'air vraiment un but impossible, mais c'est vraiment quelque chose qui est très réalistement ouais, atteignable. Ben c'est réalisable puis, c'est bon ça. T'sais, je fais t'es épaulé. Ben t'es faisable, c'est juste que tu vas peut-être pas gagner, le record du monde, mais tu sais, Faut pas que ça soit ton objectif. Non, c'est ça. Faut pas que ça soit ça ton objectif, sinon t'auras pas de fun. Mais juste un fun fact, j'ai peut-être pensé hier ou avant hier, j'ai vu dans mes Facebook souvenirs que j'ai réussi à faire ça 2 heures dans une game de Zelda Randomizer. La première fois. Ça a pris un an. On a 6 mois, là. Mais quand même. Tu sais, je vois mon évolution. Le randomizer, c'est quand même une autre paire de manches, je te dirais. Là. C'est d'autres choses. Ah, parce que c'est ça, tu sais jamais comment de temps ça va prendre. Il y a aucune game qui est pareille. Fait que je pense que c'est plus long d'apprendre. Mais ramp up, tu veux dire. Ouais, ramp up est plus long avec le randomizer, je pense. Fait que c'est tout en ta faveur, oui. ce que je dis. C'est surtout le routing qui est. Parce que en moyenne, 1h30, t'as pas mal fini ta run, environ. Ben, maintenant, la force de le faire, tu sais, les places où checker, genre, pis généralement, tu sais, comme la place dans le Dead Mountain qui a plein de trésors,
généralement, elle paye beaucoup, cette place-là. Mm-hmm. Dans les runs que j'ai fait, en tout cas, c'était tout le temps là. C'était tout le temps des systèmes payants. Voilà. La Hype Cave, ouais. Mais qui est plus la maison de Link en dessous, là. La Dark World. Voilà. Ouais, ah oui, la Dead Mountain, oui, ok, oui. Tu vois que ouais, je parle, là? Oui. C'est comme autant dans, dans oui. le. Dans, il y a quatre coffres, frais, ouais, c'est ça. Il y a quatre coffres dans le fond, là. Puis t'as des trucs que tu peux pousser, mais juste pour sortir. Fait qu'il faut que tu tombes d'en haut. Tes 4 coffres. Oui, oui. Faut que tu pousses les trucs pour sortir. C'est dans le Light World et dans le Dark World, là, selon. Mais c'est plus. Oh, oui. Les deux sont autant payants, si je me souviens bien, là. Cette place-là, généralement, dans un. Puis... Ouais. Bon, oui. Cette place-là, c'est payant en crise, là. Fait que, ouais, c'est là des techniques à checker, genre, comme, ah ouais, je vais essayer de checker là. Ben, fait qu'en force d'en faire, c'est là des techniques, justement. Là. T'as minimum 10 checks si t'as la moonport là au shot. Minimum. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu dois être pareil pour la version combinée avec Super Metroid, là. À un moment donné, tu dois développer des trucs pour faire comme, ok, c'est là. C'est clair. C'est là. Puis en plus, tu deviens meilleur au dans les deux jeux, genre, justement. Mm-hmm. C'est, parce que c'est weird, parce que quand tu fais le combo. Là, faut que tu sois bon en Super Metroid puis aller à Link to the Past. Puis t'en as un qui est plus twitchy, tu sais. C'est ça, Super Metroid, c'est plus twitchy, genre. Là. Faut que tu sois plus bon dans la balle de skill de platformer, là. C'est pas la même game, là. Puis bref, t'oublies pas, dans Super Metroid, t'as des accès aussi que t'es pas supposé d'être là, bien avant, puis t'es comme fuck, où je passe à ce room-là. Anyway. Ouais, ça, c'est... Ouais, on a pas trop divagué parce que Ben. Fait que... Oui, c'est parce que je dis que c'est un autre paille de manche. Moi, je mets Dandine sur ma chaise. C'est ça, parce qu'Evan a envie de pisser. Oui, c'est que mec a réussi. J'ai dit c'est ta faute, Kevin. C'est toi qui allonges. C'est ma faute, je le sais. Je le sais. Fait que... Je le sais. Donc, on va se dire à la prochaine fois. Fait que, bye, merci de votre écoute. Bye bye. Salut. Bye. Je vais starter le thème. Juste moi qui l'entends. On va le couper au montage. C'est qu'on rate. Ah, Ray, il est en un peu. Ben, Ray vient de nouveau. Ils ont pas fini, je pense. Ils ont pas fini, ils doivent achever en tabarouette. Ok, mais on rate direct au nouveau. Tabarouette! Dans 10 secondes, 8, 7, 6, 5. Fait qu'on rate. Ouais, possible. Je vais aller voir le Twitch.